Thank you.
aider. Amen. Nous croyons que nous sommes frères et sœurs dans l'esprit de son volonté. Et nous recevons tous la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de nous retrouver parmi vous. Nous sommes tous heureux de nous retrouver par la présence de Dieu. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va écouter. Et Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Amen. Passons la tête pour un mot de prière. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui a été lue. Nous prions que tu ajoutes les bénédictions à la lecture de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse la vie pour sa frère, salut ta soeur, dis-lui un shalom.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On se sent toujours bien d'être de retour dans la maison de Dieu. Amen. On se sent heureux. Amen. On sentit la présence de ce que je suis. Alléluia. Ce matin, ce n'est pas moi qui prêche. Comme le pasteur l'a annoncé, nous allons écouter directement Frère Branham. Amen. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Est-ce que vous aimez le prophète? Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque Frère Branham a été ravi dans la sixième dimension, lorsqu'il a rencontré les saints de l'autre côté, amen, la voix lui a dit, tu seras jugé. Amen. Il a dit, est-ce que Paul sera jugé? Il dit, j'aime prêcher exactement comme Paul. Il dit, si Paul passe, je passerai. Amen. Alléluia. Et tous les saints dans la sixième dimension, amen, ils ont déclaré, nous nous reposons là-dessus. Et nous aussi, nous nous reposons là-dessus. Nous nous reposons sur tout ce que Frère Branham a dit. Reposons sur tout ce qui est dit sur les pans. Parce que la foi de l'enlèvement est sur les pans. Le Seigneur doit être divisé à quelqu'un. Quelqu'un doit le saisir par révélation. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je crois que ça sera une grande bénédiction pour cette portion de l'église qui est restée ici. Amen. Parce que nos frères sont bien arrivés. Amen. Par la grâce de Dieu, je crois qu'ils vivent des moments très merveilleux avec le Seigneur. Amen. Le vendredi, le pasteur a ouvert la convention avec un puissant message comme d'habitude et ça a été véritablement une bénédiction. Amen. Que Dieu bénisse le candidat des gens, Frère V, les musiciens, que Dieu vous bénisse tous. Amen. On a apprécié la réunion du dimanche passé. Une église spéciale avec une puissance spéciale. Si Dieu a été béni, tiens-toi des coups et dis amen. Amen. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour les réunions de réveil. Amen. Ligne de prière après ligne de prière. Alléluia. Guérison après guérison. Guérison du Saint-Esprit. Après guérison du Saint-Esprit. Amen. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Dieu nous a visités. Aucun témoin ne te trompe. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Alléluia. Vous savez. Le rêve de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Quelque chose est déjà arrivé dans ta vie. Aucun prénom ne te trompe. Et même ce matin, si tu n'as pas encore une expérience, tu peux le recevoir. Tu peux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et cela va aller de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Jusqu'à l'adoption. Parce que Dieu nous a prédestinés à parvenir à l'adoption. L'adoption des fils. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne voulons pas la peinture du feu. Nous ne voulons pas une autre occasion. Nous ne voulons pas la mort que quelqu'un d'autre a prêtée. Je veux ma propre expérience. Je veux mon propre témoignage. Alléluia. Si Dieu est réel, je dois le toucher. Je dois le voir. Je dois l'expérimenter. Alléluia. Si Dieu est réel, il doit me parler. Alléluia. Je dois le voir. Nous bénissons Dieu, ce qu'il a fait hier avec Moïse, ce qu'il a fait hier avec les apôtres, ce qu'il a fait hier avec Frère Branham. Et je veux mon propre témoignage. Le diable sait qui est Paul. Le diable sait qui est Branham. Est-ce que le diable sait qui tu es? Le diable doit savoir. Alléluia, que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Lorsque nous prions Dieu, quand la trompette sonnera, quand tous les saints seront réunis. Amen. Ça sera la plus glorieuse des conventions. Ça sera une convention d'adoration et de témoignage. Amen. Ce jour-là, Moïse va nous donner son témoignage. Comment son bâton a ouvert la mer rouge. Alléluia. Comment son serpent a avalé les serpents des pharaons. Et Josué va nous dire. Amen. Comment il a arrêté le soleil. Comment les murailles de Jéricho se sont effondrées. Alléluia. Et Élie va nous témoigner. Amen. Comment le feu a consumé le sacrifice. Alléluia. Et comment il pourrait déclarer qu'il n'y aura ni plus de rosée sinon à ma parole. Lui est mortel. Alléluia. Et Élisée va nous donner son témoignage. La traversée du Jourdain, lorsqu'il avait déclaré, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, celui-là qui répond par le feu. Alléluia. Et Paul. Paul va nous témoigner. Comment ses mouchoirs guérissaient les malades. Amen. Et Pierre va nous donner le témoignage du paralytique à la porte appelé Rabel. Alléluia, quelle glorieuse convention ça sera lorsque tous les saints seront réunis.
Quel sera ton témoignage? Quel sera ton témoignage? Quelle sera ton expérience? Alléluia! Personne ne pourra se cacher derrière le témoignage du frère Branham. Amen. Parce que le frère Branham lui-même, il sera là en train de donner son témoignage. Et c'est ce que nous avons écouté ce matin. Un message de témoignage. Alléluia! Témoignage sur ce troisième ministère. Alléluia! Le troisième cours. La parole parlée. La création des écureuils. Alléluia! À T. White. Amen. Le salut parole parlée. La résurrection du petit poisson. Alors soyez très attentifs ce matin. Parce que ce qui s'est passé dans la vie de Branham, c'est ce qui doit arriver dans ta vie. L'ange lui a dit, je vais confirmer avec toi ce que je vais faire plus tard. Alléluia. Frère Branham était une chair agitée. Et frère Branham est la preuve qu'il y a d'autres chairs qui arrivent en maturité. Il y a d'autres chairs qui arrivent jusqu'à l'attention. Alléluia. Frère Branham avait besoin d'un écureuil. Abraham avait besoin d'un bélier. Mais moi, peut-être que je n'aurais pas besoin de ça. Toi, peut-être que tu auras besoin d'autre chose. Tu peux prononcer la parole. Si vous dites à cette montagne, pas si Dieu dit, si vous vous dites, si vous vous parlez, alléluia, que vous n'écoutez pas dans votre cœur, la chose que vous prononcez, cela va arriver. Alléluia. D'abord, c'est une pensée. Ensuite, vous croyez la pensée. Amen. Et après, vous prononcez la parole. Et le Saint-Esprit qui est dans mon cœur, la puissance naturelle et créatrice, on va prendre cette parole et l'amener en manifestation. Le Saint-Esprit ne peut rien faire tant que tu ne parles pas. Si tu restes la bouche bée, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Dieu avait pensé à la lumière, mais n'a pas gardé la lumière en pensée. Il a fallu qu'il parle. Il a fallu qu'il dise que la lumière soit. Il faut que tu parles. Alléluia. Il est pour ça parler. Le troisième ministère est devant nous. Alléluia. Est-ce que Dieu vous bénisse? Alors le conseil, soyez attentif. Amen. Sois en esprit. Écoutez la parole comme si vous y étiez. Amen. Lorsque le frère Branham prêche, dit Amen. Amen. Lorsqu'il lit la Bible, on se tient debout, on lit la Bible avec lui. Amen. Et même à la fin, lorsqu'il sera en train de conduire la prière, ne reste pas assis, tiens-toi debout. Amen. Et chevauche le Saint-Esprit. Alors je crois que Dieu fera quelque chose avec toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, donnez-le une de loin. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je regrette d'être en retard, mais juste comme j'arrivais, un cas urgent s'est présenté. Ils étaient là dehors dans la cour, je me suis occupé d'une chère personne qui venait de sortir de l'hôpital dans un état mental désespéré, une petite maman qui avait reçu un choc en perdant son bébé, et on venait de l'amener de l'hôpital. Elle était si désespérée que j'ai dû m'en occuper tout de suite. Je suis sûr que Dieu a entendu la prière maintenant même et qu'elle ira bien. Pauvre petit mari ébranlé, je sais ce que c'est. Je suis passé moi-même par bien des choses semblables. En perdant ceux de ma famille, je sais ce que ça signifie, comme la maman de Billy. Vous devez passer par ces choses pour réaliser ce qu'elles signifient vraiment. Ceux qui souffrent de ces choses savent sympathiser avec les autres. Et maintenant, chaque fois qu'un cas urgent se présente comme cela, eh bien, souvenez-vous que nous essayons de nous en occuper tout de suite. Toutefois, nous essayons de parler aux autres, à ceux qui peuvent s'asseoir ou se tenir debout pendant un moment à la réunion. Nous essayons de leur parler de manière à édifier la foi. Observez seulement. La plus grande partie des témoignages qui m'arrivent dans mes réunions viennent de gens qui sont guéris là même dans la réunion. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent jusqu'à moi ici sur l'estrade pour que je prie pour eux. J'aime prier pour les gens, c'est mon ministère. Mais il n'y en a pas beaucoup pour qui j'arrive à le faire personnellement. Mais c'est le Saint-Esprit, la foi de ces gens, augmente là même et fait qu'ils soient guéris. Après les réunions, mon secrétariat peut vous le dire, des centaines de lettres affluent de tous les endroits où nous sommes allés, venant des aveugles qui étaient assis dans l'assistance, ils retournaient à la maison, et simplement en pensant cela, une semaine plus tard, ils recevaient la vue, ou pendant qu'ils marchaient dans la rue, quelque chose se produit, ou un estropié assis dans un fauteuil roulant, et tout à coup, ils se lèvent et se mettent à courir. Si vous demandez cette bénédiction, quelquefois, Dieu ne peut pas répondre immédiatement. Combien savent cela?
Souvenez-vous, Daniel avait prié, et je crois, 21 jours, quelque chose comme ça, on passait avant que l'ange puisse arriver jusqu'à lui. Et finalement, il est arrivé. Attendez seulement. Et nous pourrions raconter tant de témoignages sur les centaines et les centaines de choses qui sont arrivées de cette manière-là. Maintenant, nous essayons de placer les réunions de réveil dans le meilleur cadre possible. Nous ne mettons pas l'accent principal sur la guérison divine, comme on dit, parce que la guérison divine n'est pas le plus important. Et vous ne pouvez pas mettre le plus important sur ce qui est moindre. La grande chose que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ et de réveiller l'Église, la ramenant en état spirituel, là où elle devrait être, en communion intime avec Dieu. Troisièmement, de susciter la communion entre les Églises. Et quatrièmement, de prier pour les malades. C'est notre but, c'est ce que nous essayons de faire. Ce sont les pécheurs premiers, la communion entre les églises et une marche intime entre l'Église et Dieu, et ensuite la prière pour les malades. Ce soir, puisque nous sommes lundi soir, je vous dis que je n'attendais pas un tiers des gens qui sont ici, c'est vrai. Je ne pensais pas qu'il n'y aurait plus de 200 ou 300. Habituellement, le lundi soir dans l'Est, eh bien, il y a assez peu de monde à la réunion, mais je crois qu'il y en a plus ici ce soir qu'il y en avait hier après-midi. Et j'ai dit hier après-midi que ce soir, je voulais avoir une soirée de plus que j'aimerais appeler une soirée de consécration. J'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. Et j'espère en faisant cela que ça vous fera prospérer et vous amènera vous-même plus près de Dieu. Et je veux vous parler d'un don divin qui est maintenant prêt de venir dans l'Église. Et je suis sûr que tous parmi nous sommes intéressés par tout ce que Dieu est prêt de faire et les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Cela n'a donc encore été raconté qu'une seule fois, et c'était dans mon propre tabernacle en Indiana. Ce soir donc, j'allais essayer de vous dire ce qui est arrivé pendant ces quelques jours qui viennent de passer. C'est nouveau, c'est frais. Et j'ai pensé que cela vous aidera ce soir, au début de cette semaine de réunion. Cela vous aidera à prier pour moi et à prier pour l'Église, afin que nous puissions tous entrer dans cette chose glorieuse que Dieu a déjà confirmée. Nous pourrions y entrer au cours de cette réunion. Je désire tellement le voir arriver. Je suis comme un enfant qui attend que Noël arrive, étant dans l'expectative ce qui va arriver. Ce sera dur pour moi, bien sûr, mais ce sera une bonne chose pour l'Église. C'est ce qui m'intéresse, le peuple de Dieu. Quelque chose qui les aide à croire en Dieu, à saisir une nouvelle espérance. Ce sera une chose merveilleuse pour les malades aussi. Et avant de lire les Écritures auxquelles je désire me référer, j'aimerais que nous prions. Et puis je désire aussi vous annoncer que demain soir, nous voulons avoir un rassemblement spécial d'évangélisation et nous voulons que chacun de vous amène avec lui un pécheur, si vous pouvez, un pécheur que vous connaissez. Invitez-le à venir avec vous parce que nous allons fournir un effort spécial pour les pécheurs demain soir pour qu'ils viennent recevoir le Seigneur Jésus. Et chaque soir, bien sûr, le Saint-Esprit est ici. Où que vous alliez, il est toujours là. Vous ne serez jamais loin de lui. David disait que peu importe où il faisait son lit, Dieu était là. Parce que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Pensez-y seulement. Ils dressent leur camp, ils s'assoient juste à côté de vous et ils veillent sur vous. Dans notre région, là-bas dans le sud, nous avons beaucoup de Noirs qui sont très spirituels. Et ils viennent quelquefois à mes réunions et ils ont l'habitude de chanter un petit cantique. Je me souviens qu'il y avait habituellement une vieille sœur de couleur et ils pouvaient chanter cela et faire descendre l'Esprit de Dieu au milieu des gens. Tout le jour, toute la nuit, les anges veillent sur moi. Oh, comme elle pouvait chanter ça!
Donc je devais toujours me tenir les mains pour m'empêcher de démolir la réunion en sautillant simplement, en criant et en courant partout. Eh bien, vous ne pensez pas que je pouvais faire ça, n'est-ce pas? Eh bien, je le fais. Je ne le fais pas, mais c'est lui qui le fait en moi. Et je crois que quiconque aurait ressenti ce que je ressentais, il aurait fait la même chose. C'est juste une expérience. Oui, certainement. Maintenant, souvenez-vous de ces annonces. Et maintenant, inclinons la tête juste avant d'aborder sa précieuse parole. Cher Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de te connaître comme notre sauveur personnel. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, que l'Esprit de Christ habite en nous et autour de nous et parmi nous, et que nous sommes son peuple qui est appelé de son nom, et que les anges veillent sur nous jour et nuit. Ils ne nous quittent jamais, ils ont établi leur camp autour de nous. Et nous pouvons nous attendre à ce que Dieu fasse pratiquement n'importe quoi à tout instant à cause de la présence des anges de Dieu qui ont la commission par lui de nous garder, de prendre soin de nous. Maintenant, Père, nous te demandons que les anges de Dieu prennent leur place ce soir à côté de chaque croyant et partout dans la salle, et que quelque chose puisse être dit ou fait qui fasse que cette réunion soit dans notre mémoire et dans notre cœur un moment dont nous nous souviendrons tous les jours de notre vie à cause de l'effusion de la gloire de Dieu ce soir. Bénis mes frères dans le ministère qui sont assis ici et qui écoutent, me soutenant par la prière et par chaque effort possible. Oh Dieu, bénis ces frères. Nous te prions de leur donner l'onction, la puissance et le désir de leur cœur qu'il puisse être accompli dans leur vie. Les autres qui sont dans l'auditoire, qu'il en soit de même pour eux, Père. Pardonne-nous nos manquements, car nous en avons beaucoup. Et nous te prions de bien vouloir prendre ta parole maintenant et de la bénir dans nos cœurs. Je te demande, Seigneur, que les gens ne pensent pas, parce que je me réfère à une expérience que tu m'as donnée, et je dis la vérité, Seigneur, qu'on ne pense pas que c'est pour me mettre en avant, mais que c'est ce que tu es sur le point de faire pour ton peuple. Que tous se réjouissent, que tous croient, et que cela soit au bénéfice de tous, au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Il y a quelques années, combien sont présents dans le bâtiment ce soir qui se souviennent du temps où je suis venu pour la première fois sur la côte ouest en priant pour les malades il y a bien des années? Saviez-vous que San José était la première invitation que j'ai reçue à l'ouest du Mississippi? San José, Californie. Je ne sais pas qui c'était, mais j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui m'invitait à San José immédiatement après que la petite Betty de Robert Dougherty a été guérie de cette danse de Saint-Guy. Et ce fut le début du ministère que je commençais là dans le champ. Et je me souviens, et nombreux se souviennent, ils peuvent dire qu'en ce temps-là, lorsque je priais pour les malades, je les prenais par la main et je me tenais simplement là. Et alors le Seigneur parlait, je n'utilisais pas ma propre pensée, je disais simplement ce qui n'allait pas avec cette personne, exactement ce qu'il m'avait dit qui arriverait la nuit où je l'ai rencontré à Green's Mill, au camp, lorsqu'il me dit ce qui se passerait. Et puis il me dit, il arrivera que tu connaîtras le secret même de leur cœur. Et vous vous souvenez que j'avais dit que cela arriverait? Combien s'en souviennent, les anciens qui se souviennent que je disais cela? Eh bien, vous voyez, ça s'est passé ainsi. Maintenant, il a promis que cela agirait à nouveau. Maintenant, la dernière fois ici, au printemps dernier, je vous ai parlé à tous de quelque chose qui se préparait à arriver. Je crois, autant que je me souvienne, d'après la bande, je pouvais presque tendre la main et le toucher, c'était si proche. Combien était à la réunion l'année passée? Eh bien, je désire vous dire comment cela a progressé. C'est ce que j'aimerais faire ce soir. Et avant de faire ceci, je crois que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Mais je suis un tel croyant de la Bible, je crois que ce qu'il fait devrait être reconnu dans la Bible. Ne pensez-vous pas que la Bible doit d'abord en parler?
Alors nous savons que nous sommes dans le vrai du moment que la Bible, c'est une promesse que Dieu a faite. Maintenant, je désire vous apporter pendant un moment l'infaillibilité de la parole. Voyez-vous? Premièrement, je désire que vous sachiez que Dieu est infini. Il est si parfait qu'il savait tout ce qui serait à l'avance. Le croyez-vous? Il savait, avant même que le monde soit créé, que nous serions assis ici ce soir. S'il est infini, s'il n'est pas infini, alors il n'est pas Dieu. Donc, s'il est limité, il est comme nous. Mais infini, il n'y a pas moyen d'expliquer ça. Et quoi que Dieu dise, c'est parfait. Il ne peut pas l'améliorer ou le retirer. C'est parfait. Parce que Dieu est parfait et ses paroles sont parfaites. Ses promesses ne peuvent jamais faillir. Maintenant, vous devez avoir cette sorte de foi en Dieu lorsque vous lisez la Bible pour croire ses promesses. Vous devez vous rappeler qu'il est parfait, que ses paroles sont parfaites, elles ne peuvent jamais faillir, elles ne peuvent jamais être améliorées, elles sont parfaites dès le commencement. Maintenant, nous pouvons construire une meilleure voiture aujourd'hui que nous le pouvions il y a 10 ans. Vous pouvez probablement fabriquer un meilleur avion aujourd'hui, les savants le peuvent, parce que nous sommes limités, avançant dans l'arbre de la connaissance. Mais Dieu est parfait pour commencer. Quand il dit quoi que ce soit, c'est parfait. Ça ne peut jamais être amélioré. Par conséquent, lorsque Dieu fait une promesse, cette promesse est éternellement vraie. Elle ne peut jamais faire autre chose que d'être juste. Et nous voulons penser à ça maintenant alors que nous lisons sa parole. Prenez avec moi dans Marc, chapitre 11, et commençons à lire au verset 20 de Marc, chapitre 11. Et en attendant que vous y soyez, je vais raconter le fond de la leçon. Jésus venait juste de monter au temple, et en chemin, il entra dans le temple et commença à chasser les gens, les changeurs de monnaie et ceux qui faisaient des choses qu'il ne fallait pas. Et il leur dit, il est écrit que la maison de Dieu est une maison de prière. Mais ils en avaient fait une caverne de voleurs, de brigands. Ils avaient mal utilisé la maison de Dieu. Et puis, alors qu'il partait, il trouva le matin suivant un figuier qui avait des feuilles. L'arbre portait des feuilles et il pensa que peut-être il y aurait des figues. Il alla donc pour prendre des figues. Et il n'y avait pas de figues dessus parce que ce n'était pas encore la saison. Et il dit à l'arbre que jamais personne ne mange de ton fruit. Et c'est ici où nous commençons maintenant à lire au verset 20. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, lui dit, « Maître, voici le figuier que tu as maudit est sec. » Celui que tu as maudit est sec, il a flétri. Et Jésus répondant lui dit, il leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que les choses qu'il a dites s'accompliront, il aura tout ce qu'il aura dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et vous les aurez. Quand j'ai lu ça il y a quelque temps,
Ça m'a mis un petit peu une douche froide. Parce que j'avais toujours enseigné, et je le fais ce soir de la même manière, qu'aucune bénédiction ne peut venir si ce n'est par l'expiation. Que l'expiation a ouvert le chemin pour chaque bénédiction de rédemption pour laquelle Jésus est mort. Donc ce passage me rendait perplexe. Maintenant, vous m'avez souvent entendu dire dans les réunions, et je le citerai de nouveau ce soir, que la guérison divine est quelque chose que Dieu a déjà fait. Le salut est quelque chose qui est déjà payé. Jésus a payé, il a été blessé pour nos transgressions, par ses meurtrissures. Nous avons été guéris. Lorsqu'il est mort au calvaire, il a réglé la question du péché et toute question qu'il y avait concernant la rédemption de l'homme, même la résurrection et tout. Et il a prouvé cela par sa résurrection. Maintenant, si quelqu'un dit « J'ai été sauvé hier soir, j'ai été sauvé il y a 10 ans », non, en réalité, vous avez été sauvé il y a 1900 ans. Vous l'avez seulement accepté hier soir ou il y a 10 ans. Voyez-vous, c'est déjà payé. C'est quelque chose que vous acceptez, ce qu'il a fait pour vous. C'est votre foi en Dieu qui apporte la bénédiction de la parole que vous revendiquez. Je crois que c'est l'évangile le plus raisonnable et le plus sain qui puisse être prêché. Parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous, ce que nous ne pouvions pas faire. Christ l'a fait pour nous, et notre foi en son œuvre accomplie nous apporte la bénédiction, quoi que nous demandions. Et c'est ce que je dis dans la ligne ici. Quand le Saint-Esprit commence à agir pour opérer le discernement, et cela pour faire descendre la présence de Dieu parmi les gens, tout comme chanter un cantique, crier, un message qui est donné dans d'autres langues ou quelque chose comme ça, cela fait descendre l'Esprit de Dieu au milieu des gens. Vous avez si souvent entendu votre pasteur prêcher sur la parole, jusqu'à ce que l'Esprit descende parmi les gens et que ceux-ci crient. Ils ne peuvent pas se retenir, parce que l'Esprit de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cet Esprit de Dieu apporte la parole de Dieu à l'Assemblée et les nourrit, et ils croient spirituellement par cette parole. Maintenant, ça, c'est l'Évangile. Et puis, une fois, j'ai lu dans la Bible au sujet de l'enfer, et j'ai commencé à lire que le mot « enfer » vient du mot « Hadès » qui signifie « la tombe ». Et pendant 3 ans ou 4 ans, je ne voulais pas prêcher sur l'enfer, parce qu'à un endroit, il semblait que c'était un feu brûlant, un autre endroit, la tombe, jusqu'à ce que je trouve la vérité à ce sujet. Et alors, lorsque j'ai su exactement ce que c'était, et par l'aide de l'ange du Seigneur qui me l'a révélé, parce que je n'ai pas d'instruction, je me cramponnais seulement à une écriture, et je priais, je sondais les écritures, jusqu'à ce qu'il vienne me le révéler. Quand il se tient devant moi dans cette lumière que vous voyez sur la photo et le révèle, chaque fois, cela concorde parfaitement avec les écritures. C'est la raison pour laquelle je sais que c'est l'ange du Seigneur, parce qu'il rend témoignage de sa parole. Et si cet ange me disait une seule chose qui ne soit pas scripturaire, je ne le croirais pas. Ce doit tout d'abord être avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Parce qu'un ange pourrait venir prêcher autre chose qui ne soit pas juste, comme disait Paul. Mais si c'est la parole de Dieu, l'ange de Dieu confirmera cette parole chaque fois comme étant la vérité, si c'est vraiment un ange venant du Seigneur. Si c'est quelque chose qui ne cadre pas, alors n'écoutez pas ça. Mais si un ange vient et parle et dit exactement ce que la parole dit, alors cet ange-là est de Dieu. Alors, sur cette écriture, je ne pouvais pas me justifier pour prêcher là-dessus. Avez-vous remarqué comment Jésus a dit? En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne,
Oh, toi de là et sois jeté dans la mer, et que vous ne doutiez pas, mais que vous croyez dans votre cœur que ce que vous avez dit arrivera, vous pourrez avoir ce que vous avez dit. Maintenant, je ne pouvais pas prouver cela parce que je ne pouvais pas le comprendre. Comment donc pouvait-il se faire que je dise quelque chose, étant un homme? Et alors, qu'en serait-il si je disais quelque chose qui n'était pas conforme à sa parole et que je demandais quelque chose qui n'était pas conforme à sa parole et que ça doive s'accomplir? Parce que Jésus a dit, si vous dites, pas si je dis, mais si vous dites, il a placé ça sur ses apôtres, sur les croyants, quiconque dira à cette montagne, déplace-toi, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit s'accomplira, ils pourront avoir ce que vous avez dit, parce qu'il a dit, mais ce que vous avez dit. Maintenant, pour moi, ça le retirait de l'expiation et le remettait entre les mains de quelqu'un. Je ne pouvais pas comprendre ça. C'était il y a environ 3 ou 4 ans. Je relisais simplement ça, et je remarquais que l'arbre avait séché, et je pensais que c'était simplement un miracle de Dieu. Et pourtant, quelque chose commença à travailler mon esprit. As-tu examiné ce passage? Que tu peux avoir ce que tu as dit? Si tu le dis, puis crois que tu l'as, tu pourras avoir ce que tu as dit. Et ça me rendait perplexe. J'évitais cette partie des Écritures. Car je me rends compte de ceci, que je suis responsable envers Dieu de ce que je dis devant les rachetés de son sang. Je me rends compte que Dieu me fera répondre de cela au jour du jugement. C'est pourquoi je veux être sûr, humainement possible, avant de dire quoi que ce soit juste. À travers toutes les Écritures, que ce soit juste, pas simplement à un endroit, mais que ce soit juste à chaque endroit. Ça doit être exactement pareil. Ça doit concorder de la Genèse à l'Apocalypse. Si ce n'est pas le cas, alors il se pourrait que je dise quelque chose de faux. Ainsi, j'ai pris les lexiques, les commentaires, les différentes versions et même la version Douai, tout ce que je pouvais trouver, et chaque texte scripturaire, le grec, l'hébreu, tous disent la même chose. Jésus l'a dit. Il n'y a pas de controverse, même dans la version Douai, qui est la Bible catholique, la version Douai. Et aucune d'entre elles ne conteste cela, mais Jésus l'a dit lui-même. Quoi que vous dites, vous pourrez l'avoir, ce que vous avez dit, si vous ne doutez pas dans votre cœur. Il a dit donc, dans que vous êtes debout en train de prier, quand vous priez, croyez que vous recevez ce que vous demandez, et cela vous sera donné, si vous pouvez le croire. Eh bien, je vois que c'est de nouveau fondé sur la foi. Je ne veux donc pas que vous perdiez un mot maintenant de ce témoignage. Je désire que vous compariez l'Écriture avec le témoignage. Examinez toujours le témoignage de qui que ce soit ou leur prédication par la parole. Ça doit venir de la parole de Dieu. Alors un jour, dans une de mes réunions, il n'y a pas longtemps, il y avait un frère témoin de Jéhovah qui était un peu sceptique concernant les réunions. Et il avait entendu parler, alors il est venu à Louisville, il avait un garçon dont les jambes étaient tout à fait arquées par la polio. Mais un soir, il vit un petit garçon qui avait été amené sur un fauteuil roulant et qui portait des supports orthopédiques. Et il avait une jambe plus courte que l'autre. Le petit enfant se mit à courir partout, sauta sur l'estrade et prêcha un sermon. Ça l'a convaincu. Il était un entrepreneur. Son nom était Wood. Banks Wood. Ce sont mes voisins maintenant. Il était de Crestwood dans le Kentucky. Là dans l'Ohio, j'avais une grande tente. Il amena son garçon et il était assis au fond de la tente. Ce soir-là, le Saint-Esprit alla au fond pendant la réunion et dit, l'homme assis là-bas derrière, il s'appelle Banks Wood. Il est de Crestwood, Kentucky. C'est un entrepreneur. Il est témoin des Jéhovah.
de foi. Mais il a un garçon avec lui, dont le nom est David. Il a la polio, une jambe plus courte que l'autre. Ainsi dit le Seigneur, il est guéri. Il ne savait pas quoi faire. Après quelques instants, la mère du garçon a dit, « David, lève-toi. » Et quand le garçon s'est levé, il était tout aussi normal et parfait qu'il pouvait l'être. Ça l'a convaincu. Il arrêta son travail de charpentier, son entreprise, il vendit tout ce qu'il avait. Il achetait la petite maison à côté de chez moi et il vit là depuis. Et M. Bankswood, combien le connaissent? Eh bien, beaucoup d'entre vous ici, il vend des livres, il vend souvent des livres dans les réunions. Toute sa famille était témoin de Jéhovah. Des gens très bien. Vraiment des gens extrêmement gentils, honnêtes. Leur nom est au-dessus de tout reproche dans le Kentucky. Des gens bien. L'un de ses frères, qui s'appelle de Lyle, est venu lui rendre visite parce qu'on l'avait excommunié sur la base de sa foi en Dieu, dans la guérison divine, parce qu'on disait que c'était du diable. Mais le garçon était guéri. Le garçon est maintenant un jeune homme qui est marié. Et il a dû chercher pour voir quelle jambe était estropiée. Et il travaille pour le supermarché. Il est une sorte d'acheteur ou quelque chose comme ça pour le supermarché. Ce M. Lyle vint dans la maison de M. Wood et il dit, « Banks, tu sais qu'en tant que frère, nous t'aimons tous, mais comment as-tu pu dévier à ce point? Comment en es-tu venu à écouter un prédicateur fanatique et abandonner la foi que ton père t'a enseignée? » Il répondit, « Je n'ai pas abandonné la foi que mon père m'a enseignée. Je crois simplement plus. » Il dit, « Je crois cela plus ce que je sais maintenant. » Eh bien, répondit-il, « Quelle est l'espèce de charlatan avec lequel tu t'es associé? » Il dit, « Il est là, il est dans le champ, là, en train de couper du foin. » Il dit, tu veux lui parler? Il dit, oui, j'aimerais lui parler une minute. J'aimerais juste voir ce qu'il a dans le ventre. Il m'appela donc là dehors. Monsieur Wood m'appela. Et j'étais sale, vous savez comment c'est, j'avais chaud, je suais. Et la salopette portant même les marques blanches de transpiration du jour précédent. Il entra, il dit, c'est donc vous le prédicateur qui a dévoyé Banks? Et j'ai répondu, non monsieur, c'est pas moi. Je suis son frère en Christ qui prêche l'Évangile. Et il me regarda de haut en bas pendant quelques instants et nous sommes assis pour parler. Ce n'était pas une personne déraisonnable, il était sympathique. Mais il a dit, « Monsieur Branham, nous avons été élevés dans la stricte foi des témoins de Jéhovah. Notre père enseigne chez les témoins de Jéhovah. » Je répondis, « C'est bien, je suis assurément heureux d'entendre cela. Et vous avez un bon nom et j'apprécie vraiment un papa et une maman qui vous ont élevé pour être des gens honnêtes et intègres comme vous l'êtes. » Et pendant que j'étais là, le Saint-Esprit, dans sa bonté et sa miséricorde, une vision est venue. Et j'ai dit, « Monsieur Wood, je vois que vous êtes un homme marié. Vous avez une femme, elle a les cheveux blonds, et vous avez deux petits garçons qui ont environ 6 et 8 ans. » Et il se tourna vers Banks d'un air tout drôle et me regarde à nouveau. « Vous pensez que Banks m'a raconté cela? » Il ne l'a pas fait. J'ai dit, « Peut-être savez-vous ceci. Vous avez laissé votre femme, car vous lui êtes infidèle. La nuit passée, vous étiez avec une femme qui a les cheveux auburn. Elle est beaucoup plus jeune que vous. Vous étiez dans un endroit. Vous étiez ensemble dans une chambre et voilà un homme qui frappe à la porte. Vous vous êtes sauvé par la fenêtre et c'est une bonne chose. Sinon, vous auriez une balle dans la tête parce qu'il avait un pistolet en main. Il tomba sur le plancher. Il savait que Bax ne m'avait pas raconté ça. Il dit, Monsieur Branham, je veux en savoir plus à ce sujet. Là même, dans la prière, dans la pièce, le Seigneur Jésus le sauva. Il s'en alla raconter ça à son papa. Son papa lui dit, maintenant c'est toi qui es tout embrouillé. Et voilà donc sa sœur qui arrive. Et la première réunion à laquelle elle a assisté, elle s'est convertie et je l'ai baptisée dans la foi chrétienne. Et ça a fait exploser le papa et le voici qui vient. Et donc, Banks était parti quand ma femme et moi venions d'arriver à la maison. Et une voiture était arrêtée dans la rue et un homme d'un certain âge se tenait dans la cour. Nous lui avons parlé. Il a dit, je suis Monsieur Wood. Je dis, je m'appelle Branham, je suis content de vous rencontrer. Il dit, je suis content de vous rencontrer, Monsieur Branham. Il dit, savez-vous, et Banks, il est probablement parti à l'épicerie
C'est à cette heure que nous allons d'habitude. Lui et sa femme sont partis. Ne voulez-vous pas entrer? Il a dit, non, je ferais mieux de rester ici dehors. Je dis, eh bien, voulez-vous un verre d'eau? Rafraîchissez-vous. Banks entrera dans quelques minutes. Et il entra quelques instants. Et il dit, je désire aller à la pêche avec vous. Avez-vous le temps d'aller à la pêche? Il dit, oh, certainement. Eh bien, cette nuit-là, la pluie tomba comme jamais. Le jour suivant, nous sommes allés. Je ne pense pas que ce soit la peine d'y aller. Les ruisseaux sont tout boueux. Et j'ai dit, eh bien, nous pouvons y aller, nous pouvons essayer. Nous avons traversé la rivière. Et j'ai prié le Seigneur de m'aider. Je ne voulais pas dire une seule chose concernant la religion. Je voulais le laisser d'abord aborder le sujet. Alors, s'il a faim, il parlera. Et alors, lorsque nous avons traversé la rivière, j'ai eu une vision. Et j'ai dit, Monsieur Wood, pour que vous puissiez savoir, aujourd'hui, chaque ruisseau que nous traverserons sera boueux. Et je dis, lorsque nous arriverons au lac où nous allons, il sera beau et bleu. Et nous pêcherons jusque vers 3h30 cet après-midi sans attraper de poisson. Puis, je vais commencer à attraper des poissons. Et je vais en attraper une vingtaine de kilos. Et vous allez en attraper un. Votre garçon Lyle en attrapera un. Nous arrêterons de pêcher à minuit. Le matin suivant, nous retournerons encore pêcher. J'attraperai un poisson de grande taille. Les poissons que j'attraperai seront des poissons chats bleus. Et le suivant sera un poisson de grande taille. Et nous prêcherons le reste de la journée. C'est ainsi dit le Seigneur. Il jeta un coup d'œil à Banks et fit gentiment un petit sourire moqueur. Et puis il regarda. Et c'est exactement comme ça que c'est arrivé. Et quand il partit ce soir-là, après le second soir, nous avons prêché toute la journée. Cet homme grimpa sur toutes les rives qu'il pouvait pour essayer de faire mordre un poisson. Et il ne put même pas avoir une autre touche. J'avais attrapé 25 livres de poisson, deux d'entre eux faisaient respectivement 5 et 8 livres, avec un petit hameçon numéro 4 et sans épuisette. Si quelqu'un sait quelque chose au sujet de la pêche, il sait, il fallait que ce soit Dieu. Alors il a dit à son fils, « Eh bien, papa, que penses-tu de ça ?» Il a dit, « Eh bien, je pense que si quelqu'un peut voir le poisson avant de l'attraper, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. » Je dis, « Mais je ne peux pas toujours faire ça, Monsieur Wood, c'était pour vous. » J'ai dit, « Maintenant, sans vouloir vous offenser, la Bible déclare, si quelqu'un parmi vous est prophète ou spirituel, si celui-ci prophétise et que ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. » Je dis, sans vouloir offenser M. Rutherford, mais il a dit que Christ reviendrait en 14, ensuite il a dit que c'était une venue spirituelle, et pourtant il est venu de cette manière le jour de la Pentecôte. Et maintenant, les quatre autres choses qui ne se sont pas accomplies, qu'en dites-vous? Et il y a environ trois dimanches, je l'ai baptisé, lui et sa femme, dans la foi chrétienne. Son fils et moi sommes retournés, les deux fils, pour venir à mon sujet maintenant. Et nous avions de nouveau péché quelques semaines environ après cela. Nous étions descendus pêcher à Dale Hollow, et ce soir-là, nous avons pris un bon groupe de poissons et nous avons manqué d'appât, et nous étions là en jetant notre ligne pour attraper des petits poissons aux ouïes bleues qui nous servira d'appât. Et M. Bankswood dit à M. Lylewood, les deux étant des frères, nous devrions retourner chez cette dame âgée. Elle a environ 90 ans. Quand nous étions des petits garçons, témoins de Jéhovah, nous avions l'habitude de descendre là et elle nous donnait du pain et du beurre. Tu te souviens de ce pain qu'elle faisait? Nous devrions aller lui dire que nous sommes sauvés. C'était la chose juste. Maintenant, s'il vous plaît, essayez de saisir ceci. C'est parfois simplement la manière dont vous dites les choses qui changent toute la situation. Ils avaient dit exactement la chose juste, car à ce moment précis, le Saint-Esprit tomba sur moi de quelque part dans le ciel, et j'ai dit, « Ainsi dit le Seigneur. » Et les amis, il y a des gens de la ville d'où je viens qui m'ont connu depuis mon enfance, où que ce soit. Je demande à quelqu'un, dit, s'il a une fois entendu cette prophétie, ou une prophétie, quelle qu'elle soit, qui ne se soit pas accomplie exactement de la manière dont elle avait été apportée. C'est enregistré partout. Combien savent que c'est la vérité? Levez la main si vous le savez, bien sûr. C'est exactement, parce que c'est Dieu. Si c'était moi, cela faillirait chaque fois. Mais si c'est lui, ça ne peut jamais faillir. Ça ne peut pas faillir. Eh bien, ils ont dit, que pensez-vous de ça? J'ai dit, ce sera la résurrection d'une petite vie qui va avoir lieu, ou une sorte de petit animal. J'ai dit, je n'ai pas vu exactement quel animal c'était, mais c'est quelque chose qui est revenu à quoi la vie. Et nous avions parlé de cette écriture.
Et ensuite, j'ai pensé, eh bien, ça doit être un petit chat que mon petit garçon a tué, je pense. Nous avons un peu peur des chats à la maison. Et ma petite fille est arrivée un après-midi, la petite Rebecca et une autre petite fille qui habite à côté. Elles avaient une brave maman chat et elles voulaient la garder. Et je leur ai dit très bien et elles l'ont mise dans une boîte et le lendemain matin, nous avions 8 ou 10 petits chatons. Et donc mon petit Joseph, il avait environ 2 ans, il a voulu en voir un, les petites bêtes n'avaient pas encore les yeux ouverts, il a seulement pris, il a regardé, il a serré, il a laissé tomber. Et la pauvre petite bête a eu quelques convulsions là, et puis au moment où nous sommes, j'ai dit, peut-être quand je rentrerai à la maison, le Seigneur va ressusciter ce petit chat, comme il l'a fait avec la maman opossum, vous avez entendu cette histoire-là, qui a fait le tour du monde. Ainsi donc, peut-être que ce petit chaton sera ramené à la vie. J'ai pensé à ça dans mon cœur, mais je n'ai rien dit. Cette nuit-là, nous avons pêché, et le lendemain suivant, nous n'avions pas attrapé de poissons cette nuit-là avec nos lignes, parce que nous étions servis des petits poissons aux oubis bleus comme à pain. Vers le matin, toutes nos lignes à truites étaient utilisées. Nous sommes entrés dans une petite crique que nous avons pêchée au lancer pour attraper de grandes brèmes, qui sont une espèce un peu plus grande de poissons. Nous étions donc à la pêche de ces brèmes au lancer, et M. Lightwood avait un moulinet et une canne à pêche. Et à peine avait-il mis sa ligne à l'eau, qu'un pauvre petit poisson aux oubis bleus vint l'avaler, avaler l'énorme hameçon qui descendit jusqu'au fond de son ventre. Il le tira hors de l'eau. Il dit, « Je voudrais que vous puissiez regarder ça. Vous ne pouvez même pas voir l'hameçon. » Il attrapa le poisson comme ceci, et tira hors de lui les entrailles, les ouïes et le reste, et le jeta dans l'eau pour récupérer son hameçon. Et ce petit poisson eut 4 ou 5 soubresauts, déploya ses petites nageoires et mourut là, à la surface de l'eau. Et il a dit, « Mon petit gars, tu as tiré ta dernière cartouche. » Et nous avons continué. Et j'ai dit, « Lyle, tu ne devrais pas retirer l'hameçon comme ça. » J'essayais de lui dire de mettre un hameçon plus petit. Mais c'était qu'un garçon de ferme, vous savez, qui n'avait jamais beaucoup pêché. Donc le petit poisson restait là pendant environ une demi-heure. Et le vent se leva et le fit dériver jusqu'à des nénuphars le long de la rive. Et nous étions en train de pêcher. Et j'attrapais, nous avions des beaux poissons. Et tout à coup, quelque chose arriva. Maintenant, je dis ces paroles avec cette Bible ouverte. Quelque chose est arrivé. Et il descendit comme une onction que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quelque chose m'a dit, « Lève-toi !» Et je me suis levé. Lyle et Banks laissèrent tomber leurs cannes et regardaient. Ils disent, « Qu'est-ce qui se passe ?» Banks dit, « Fais attention, quelque chose va arriver. » Et quelque chose me dit, « Parle à ce petit poisson et il vivra de nouveau. » Les ouïes étaient blanches. Elles lui pendaient hors de la bouche. J'ai dit, « Petit poisson, Jésus-Christ te redonne la vie. Et le Dieu du ciel est mon juge suprême. Ce poisson s'est retourné et s'est enfoncé dans cette eau en nageant si fort que possible. Et M. Lightwood tomba tout simplement à la renverse dans la barque. Et il dit, c'était pour moi parce que j'ai dit à la petite bête, tu as tiré ta dernière cartouche. Et j'ai dit, non, ce n'était pas ça. J'ai dit, maintenant, ce qui me semble étrange, c'est que Dieu, le grand Dieu Jéhovah, utilise sa puissance pour ramener à la vie un pauvre petit poisson alors que nous avions attrapé 200 ou 300 la nuit avant. Il utilise sa puissance pour ramener ce poisson à la vie. Et j'ai au moins 300 enfants atteints de paralysie là qui attendent que je prie pour eux. Environ 300 enfants atteint de paralysie spasmodique. Je dis, c'est une chose que je ne peux pas comprendre. Comment Dieu ferait une chose pareille avec ce petit poisson et des êtres humains sont couchés là en train de mourir du cancer, de la leucémie et toutes sortes de maladies partout dans le monde et de partout. Et puis, c'est ce petit poisson qu'il ramène à la vie. Juste à ce moment-là, quelque chose me dit, Marc 11, 23, la même écriture. Alors que les lépreux couvraient le pays, que la maladie était partout, et Dieu a utilisé sa puissance pour maudire un arbre. Dieu s'intéresse à l'arbre, au poisson, tout appartient à Dieu. Et il manifeste sa puissance pour montrer qu'il est Dieu pour l'arbre, qu'il est Dieu pour le poisson.
Et le petit poisson est revenu à la vie. Je ne pouvais tout simplement pas saisir cela, malgré l'écriture qui me revenait sans cesse. Comment cela se pouvait-il? Fred Southman, l'un de mes amis, un ami intime qui est du Canada, il est quelque part ici dans la Réunion, il était avec moi dans une campagne en Nouvelle-Angleterre l'année passée. Et nous sommes allés dans les Adirondacks, là où je m'étais perdu cette fois-là. C'est la seule fois de ma vie où je me suis perdu dans les bois. Et je voulais montrer à frère Fred où étaient ma femme et mes enfants, ou plutôt Billy, lorsqu'ils attendaient que je revienne quand j'étais perdu dans cette tempête de neige cette nuit-là. Et lorsque nous étions là, à côté d'un petit appentis dans lequel j'avais laissé Meda et Billy, dans ce petit appentis-là, pendant que je chassais l'ours, eh bien, je fis quelques pas à l'écart, et l'Esprit du Seigneur vint sur moi, et je commençais à trembler. Et l'Esprit du Seigneur dit, « Il y a un piège qui est préparé pour toi, et fais attention à ce que tu vas dire. Fred, où es-tu? Es-tu ici de la Réunion ce soir? Je sais qu'il est venu. Oui, il est juste là au fond. C'est juste. » Et nous sommes partis de là, et j'ai dit à frère Southman, quelque chose est sur le point d'arriver. Et lorsque nous sommes arrivés à la réunion ce soir-là, j'ai dit à l'auditoire, souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, il y a un piège qui est préparé pour moi, et que chacun de vous prie pour que je sache faire la chose juste quand ça arrivera. Et le soir suivant, voilà, c'est arrivé. Le diable avait envoyé deux personnes, un jeune homme et une jeune fille, pour démolir la réunion. Et ce n'était pas le New Hampshire, mais dans le Vermont. Freddy, tu te souviens du nom de la ville? Du Vermont. Nous étions juste de l'autre côté du lac Champlain. Et donc, au cours de la réunion, ce garçon, la fille avait un peu l'air d'une mongole, mais le garçon la tenait. Ils avaient au moins 25 ans chacun. Mais commettre de tels actes immoraux dans une église, ils étaient assis à peu près à cette distance de moi. Et quand j'ai commencé à prêcher, il la saisit, lui rejeta la tête en arrière et monta sur elle et l'embrassa et ainsi de suite. D'une manière horrible. Et les huissiers ne pouvaient pas le faire tenir tranquille. Et je dis depuis la chair, « Jeune homme, ne faites pas cela. Vous attirez l'attention sur vous pendant que je prêche. » Et il se mit ouvertement à rire de moi. Et je pensais, « Oh, oh, voilà, voilà le piège. » Je me suis remis à parler comme si de rien n'était. Et oh, il devint si moral avec elle que je dus arrêter de nouveau. Et j'ai dit, « Ne faites pas cela, monsieur, s'il vous plaît. » Il dit, « Si vous voulez faire l'amour avec la jeune fille, eh bien, quittez le bâtiment. Mais nous sommes ici dans une réunion religieuse. Vous ne devriez pas faire cela. S'il vous plaît, ne faites pas ça pendant que je prêche. » Je recommençais et il fit encore pire. Et alors, et quelque chose me dit, « Dis ce que tu veux. » Et ce sera fait. Je me tenais là. Monsieur Mercier, le frère qui enregistre les bandes, et tous étaient là, frère Fred. Beaucoup de ceux qui étaient là étaient présents. Je rehuisselais de transpiration. Quelque chose me dit, aveuglement, ils seront aveugles. Mort, et ils l'emporteront dehors. Dis ce que tu veux. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Cela me quittait. Je pensais, « Oh Dieu, que dois-je faire ?» Et je me tournais, et il se tenait, le visage blanc, me regardant. Et je pensais, « Que dois-je dire ?» Puis je me suis retourné, il sembla qu'avant que je sache quoi que ce soit, j'ai dit, « Je vous pardonne pour votre acte. » Et ça devait être exactement la chose juste à dire. C'était Dieu qui me testait, une réaction sur une action. Ce soir-là, il me fut révélé que j'avais dit la chose juste. Je savais que tout ceci conduisait à quelque chose, mais qu'est-ce que c'était? Que faire? Vous savez, un don divin, vous devez prendre garde à ce que vous faites. Vous vous souvenez ce que Moïse a fait?
Ainsi, je devais avoir dit la chose juste. Je vous pardonne. Car vous savez, Jean, le jeune Jean, désirait une fois que la Samarie soit consumée par le feu, parce qu'il ne voulait pas les nourrir. Jésus a dit, vous ne savez pas quelle sorte d'esprit vous anime. Le Fils de l'homme est venu pour sauver la vie, pas pour la détruire. Ces Écritures m'ont fait que continuer à se déverser sur moi toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Mais c'était un piège qui m'était tendu par Satan. Il aurait voulu arriver à me faire sortir de mes gonds pour dire la chose fausse. Mais le Saint-Esprit était là. Il m'avait prévenu. Oh, de faire attention à ce que j'allais dire. Oh, la bonté de Dieu. Merveilleux, c'est simplement sa grâce. Fais attention à ce que tu vas dire. Et à partir de ce moment-là, j'ai éprouvé un soulagement. Et j'ai commencé à faire attention aux différentes choses que je disais inconsciemment, ne sachant pas ce que je disais. Et c'est arrivé de cette manière-là. Et j'ai commencé à en parler. Un jour, cet automne, il y a quelques semaines, je prenais un peu de repos avant de venir à ces réunions. J'étais à la chasse à l'écureuil. Il faut dire que dans notre région, on chasse le lapin et l'écureuil. Et la raison pour laquelle je fais cela, c'est pour me détendre avant de venir à ces réunions. Monsieur Southman était avec moi ce matin-là, il est venu du Canada pour nous visiter et rester un moment avec nous. Il avait acheté une caravane et il y vivait, près de chez nous, et d'autres amis. Et donc, nous étions ensemble à la chasse à l'écureuil avec Monsieur Wood. Et lui aussi vit juste à côté de chez moi, et il est vraiment un compagnon pour moi. Et nous sommes donc partis à la chasse, et c'était le dernier jour où je pouvais aller chasser, parce qu'il était prévu que j'aille au Wyoming le dimanche d'après, et aussi la saison allait se terminer le mardi. Et nous étions le samedi, et c'était la dernière fois que je pouvais chasser à l'écureuil dans l'Indiana, dans cette saison. Nous avions passablement chassé, beaucoup de personnes avaient chassé, il y avait beaucoup de chasseurs pour les écureuils. Et ils étaient tous dispersés. C'était un mauvais matin, là, venteux, le vent soufflait, et on ne veut tout simplement pas sortir ces jours-là. Je suis allé dans les bois, et j'ai marché jusqu'à vers 9 heures. Et je ne voyais rien, je suis descendu au bord du ruisseau. Il commençait à faire vraiment froid en Indiana. Le 1er octobre environ, je pense que c'était exactement le 8 octobre, et je descendis vers de vieux sycomores. Et les écureuils ne vivent pas dans les sycomores. Ils se tiennent dans les hêtres, les chênes, et ainsi de suite, les arbres aux troncs épais. Il y a beaucoup de feuillage. Et je marchais le long du ruisseau. Je pensais avoir vu un écureuil, là, il y avait des champs de maïs, et les fermiers moissonnaient leur maïs. Beaucoup là-bas qui moissonnaient. Eh bien, je dis, il n'y a pas d'écureuil ce matin. Il n'y a rien qu'un grand fourré de caroubiers qui n'intéresse pas les écureuils. Les vieux noyés, toutes les feuilles tombées, dépouillées, aucun écureuil ne pouvait se trouver là. Je dis, eh bien, je vais m'asseoir ici un petit instant et me réchauffer parce que j'avais seulement une chemise sur moi et pas de veste. Je me suis assis entre deux arbres là où le soleil brillait. J'ai mis mes pieds sur l'autre arbre. J'étais dans une position tout à fait confortable. Et je pensais, peut-être que je vais faire un petit somme. Et j'ai une petite montre réveil, et je pensais, je vais régler cette petite montre-là avant qu'elle sonne si je viens m'endormir. Et je vais retrouver M. Wood et M. Southman en temps convenable, parce qu'ils étaient plus loin sur le chemin, dans un autre bois. Ainsi, j'ai réglé ma petite montre, et je me suis assis contre cet arbre. Et juste au moment où je me blottissais contre l'arbre pour me réchauffer, cette écriture me revint. Quoi que ce soit que vous disiez, croyez que ce que vous dites va s'accomplir et vous pourrez avoir ce que vous dites. Eh bien, je pensais, pourquoi cette écriture continue-t-elle de venir à moi alors que je ne peux pas prêcher là-dessus, parce que je ne sais rien à ce sujet. Je ne pouvais pas aller devant une assemblée pour essayer d'expliquer cette écriture. Et je restais là un moment et je pensais, il n'y a qu'une chose à faire. Si jamais je suis appelé à prêcher sur ce sujet, voici comment je m'y prendrai. Je dirais, Jésus a dit cela aux disciples et leur a donné cette autorité. C'était à peu près un an et 6 mois avant que l'expiation soit faite. Donc, si ce n'était pas pendant l'expiation, c'était de l'autre côté de l'expiation. Donc, si jamais quelqu'un me posait cette question, je leur dirais simplement que c'était de l'autre côté de l'expiation. C'est tout ce que je savais. Car Jésus était encore vivant. L'expiation n'était pas encore accomplie et il n'était pas blessé pour nos transgressions. Nous n'étions pas encore guéris par ces meurtrissures, donc il leur a simplement donné ce pouvoir de l'autre côté de l'expiation. Et alors tout à coup, quelque chose m'a parlé. Qu'en est-il des prophètes?
Eh bien, j'ai commencé à voir, ça a commencé à s'ouvrir à moi. Tu penses que c'est quoi qui se passe dans la réunion quand tu te tiens là? Penses-tu être celui qui connaît ces gens? Penses-tu que c'est toi qui peux prédire et dire à ces gens, vous allez faire telle et telle chose vous est arrivée, et telle chose va vous arriver? Penses-tu que c'est toi qui le dis? Oh là là! Ça représente tellement, ça ne m'a jamais quitté. Et je pensais, certainement pas, Seigneur, c'est toi. Eh bien, alors, penses-tu que c'est toi qui parles? Non. Penses-tu que c'était les prophètes qui parlaient? Ne viens-tu pas justement de prêcher sur ce sujet? Que les prophètes étaient tellement loin du Saint-Esprit que ce n'était pas eux qui parlaient. C'était le Saint-Esprit en eux qui criait. Alors quoi que ce soit que tu dises, si tu es loin, ce ne sera pas toi qui le dira, ce sera le Saint-Esprit qui le dira. Eh bien, je pensais, c'est juste, si la personne, à travers l'expiation, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ, peut vivre dans une telle sphère d'intimité avec Dieu, tellement enveloppé en Dieu par le sang de Jésus, ce ne serait plus elle qui parle, ce serait le Saint-Esprit qui dirait ces choses. Et à peine avais-je dit cela, que l'onction du Saint-Esprit me frappa comme jamais de toute ma vie. Dieu le sait. Je me suis debout sur mes pieds. J'ai eu peur. Et quelque chose m'a dit, voilà, ceci est le début de ton nouveau ministère. Maintenant, demande ce que tu veux et cela te sera donné. Je me tenais là. Je ne veux pas être un fanatique. Dieu sait que je désire être raisonnable et juste et honnête et fidèle et véridique. Et j'ai 50 ans. Ça ne peut être plus bien long et je devrais m'en aller, le rencontrer. Et je veux savoir que tout est parfaitement en ordre avant de quitter ce monde. Et je pensais, je ne veux pas dévier dans quelque chose. Je vais me mordre le doigt. Je dis, je ne dors pas, je ne suis pas en train de rêver, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout mon visage était engourdi et je pensais, peut-être j'ai tellement étudié ça que je ne sais plus m'en débarrasser. Et je pensais, d'habitude, lorsque l'onction vient avec force, une vision suit. Et je pensais, eh bien, je vais simplement attendre ici une minute. Et je commence à étendre mes mains comme ceci, je fais quelques pas. Et quelque chose me dit, dis ce que tu veux et cela te sera donné. J'attendis, j'écoutais, je pensais, où es-tu, monsieur? Et je l'entendis de nouveau. Demande ce que tu veux, et cela te sera donné. Je suis en train de confirmer les choses que je ferai. Et je pensais, mais à qui suis-je en train de parler? J'avais l'impression d'avoir perdu la raison. Je pensais, mais à qui est-ce que je parle? Je ne vois personne. Où est cette lumière? D'habitude, c'est lui qui me parle. Il y a une lumière. Mais où es-tu? Que veux-tu? Je crois que quelque chose a dit. Demande ce que tu veux. C'est juste, je pense à cette écriture. Marc 11, 23. Demandez ce que vous voulez. Et je pensais, eh bien, qu'est-ce que je vais demander? Il n'y a pas de malade ici. Que pourrais-je faire? Et je pensais, peut-être suis-je hors de moi. Qu'est-ce que je vais demander? Et quelque chose me dit, aussi distinctement que vous entendez ma voix, n'es-tu pas en train de chasser? Et tu n'as pas de gibier? Et je dis, c'est juste. Et je pensais, Seigneur, si je fais quelque chose de mal, pardonne-moi. Eh bien, n'est-ce pas terrible? Si vous faites quelque chose de mal. Je dis, Seigneur, si je fais quelque chose de mal, pardonne-moi. Mais est-ce toi? Es-tu en train d'essayer de me faire comprendre cette écriture? Est-ce cette autre étape vers laquelle nous arrivons? Tu m'as donné une vision et tu as dit qu'elle serait confirmée dans un petit bâtiment, quelque part dans une réunion, dans la vision de l'attente.
Et j'ai dit, est-ce à toi, à cela que ça conduit? Si c'est le cas, Seigneur, alors je te prendrai à ta parole. Je regardais autour de moi, je pensais, je vais trouver quelque chose d'impossible. Je me trouvais dans un fourré, là, de caroubier. D'habitude, je règle une hausse sur 50 mètres. Je ne suis pas un tireur d'élite, mais si mon fusil ne fait pas mouche à 50 mètres, il ne vaut rien. Ainsi, je tire des écureuils. J'en ai jamais tiré un de dos, ni lorsqu'il tourne la tête. Je dois le voir lui tirer dans l'œil avec un fusil de calibre 22. Et j'ai dit, voilà, il y a 50 mètres, à peu près la longueur de ce bâtiment. Et j'ai dit, il viendra un jeune écureuil roux qui s'assiera sur cette grosse branche dénudée là-bas, et je le tirerai d'ici. Et voilà l'écureuil qui arrive. Je levais mon fusil, je pointais à travers la petite lunette, et je vis son œil, j'ai tiré, et il est tombé par terre. J'ai marché jusque-là pour le regarder. Il saigne, une vision ne saigne pas. Je l'ai regardé, je l'ai ramassé. C'est un véritable écureuil. Alors j'ai vraiment peur. Et je pensais, eh bien, tu sais, c'est juste arrivé comme ça. C'est arrivé juste ainsi. Et j'ai commencé à partir et je pensais, mais un écureuil ici dans ce fourré, eh bien, il devrait être là-bas dans les bois. Ils n'ont pas l'habitude de s'en sortir comme ça. Et j'en avais chassé toute la matinée. J'ai dit, Seigneur, si c'était toi, la Bible dit que deux ou trois témoins sont une confirmation. Ça ne peut pas arriver une seconde fois. Je suis donc monté à flanc de la colline, je me suis assis, et je me suis dit, me voilà en train d'agir comme un fou. Et j'ai dit, eh bien, je vais simplement me préparer à rentrer à la maison. Et j'ai dit, je crois que je vais essayer. Et j'ai dit, et il viendra un autre écureuil, il s'assiera là-bas dans cette vigne, juste là. J'ai baissé mon doigt et je regardais. Je ne vis pas d'écureuil. J'ai dit, eh bien, je regardais encore et je pensais, quelle est cette chose-là? J'ai pris ma lunette et il y avait un écureuil qui me regardait là. À 50 mètres, j'ai tiré l'écureuil. J'ai marché là, je l'ai pris pour voir si c'était une vision, mais ce n'était pas une vision, c'était un écureuil. Je les ai mangés. Donc, j'ai ramassé celui-là, je pensais, oh là là, je me sentais bizarre. Je pensais, deux, mais tu as dit trois. Eh bien, j'ai dit, je crois bien que c'était toi, Seigneur. Peut-être que tu vas faire quelque chose pour les gens maintenant, que tu vas aider ton peuple. Ainsi, je te remercie beaucoup. Je te remercie, monsieur. Je pensais jeter mon chapeau et je dis, je te remercie certainement, monsieur. Je te crois maintenant. Tu vas faire quelque chose pour ton peuple. Il est donc certain que j'apprécie cela, cher père. Et je dis, maintenant, je vais rentrer à la maison. Il a dit, mais tu as dit que tu en voulais trois. Et j'ai dit, oui. Maintenant, il semblait que c'était quelque chose à l'intérieur de moi. Je n'ai pas entendu de voix, mais seulement quelque chose à l'intérieur de moi. Et je vais faire quelque chose de radical ici, de tout à fait anormal, quelque chose de surnaturel. Et je regardais dans le champ, il y avait juste une vieille souche lisse là-bas, une grosse branche. Et j'ai dit, et il arrivera qu'un jeune écureuil ira sur cette branche, s'assiera à son extrémité, regardera les fermiers en train de couper leur maïs, d'éplucher le maïs, et je le tuerai de cet arbre ici. Il en sera ainsi. Je me tenais là une minute, pas d'écureuil, je regardais encore, environ 5 minutes passèrent, pas d'écureuil, et je pensais, bon, c'est assez, de toute manière, il est temps que je m'en aille. Je ferais mieux de partir, je commençais à m'éloigner, et à ce moment-là, quelque chose m'a dit, mais tu l'as déjà parlé. Et l'Écriture dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu as dit, alléluia. Je suis resté à attendre debout contre l'arbre. J'ai regardé et regardé à nouveau. Il n'y avait pas d'écureuil. Encore 10 minutes, pas d'écureuil. Et je dis, comment un écureuil pourrait-il venir là? Eh bien, je pense que je n'ai plus qu'à m'en aller. Je vais rentrer parce qu'il est l'heure de rejoindre M. Softman et les autres. Je vais donc simplement reprendre ma marche. Je commence à m'éloigner et il dit, est-ce que tu doutes? Dieu sait comment vous mettre à l'écolage. Est-ce que tu doutes de ce que tu as dit? Non, je ne doute pas. Et juste quand je disais cela, sortant là, sur cette branche-là, un jeune écureuil, il s'est avancé jusqu'à son extrémité, s'arrêta, regarda les fermiers. Et je l'ai tiré de cet endroit même. Ça faisait mes 3 écureuils. Et puis je dis, je vais voir s'il n'y a pas un autre écureuil sur ce territoire. J'avais environ 3 heures de retard pour rejoindre M. Softman et les autres. Et je n'ai même pas entendu
L'un d'entre eux, je suis rentré à la maison, ça me tracassait, je ne savais pas quoi faire, quoi penser. Environ deux semaines plus tard, j'étais dans le Kentucky, où c'était toujours la saison des écureuils, avec mes amis, M. Wood et son beau-frère. Et je me tenais là, nous sommes allés chasser ce matin-là. Oh, il y avait un de ces vents et les feuilles étaient toutes tombées des arbres. Ce n'était pas un temps favorable pour la chasse. Les bons chasseurs n'en attrapaient pas plus d'un environ chaque jour. Mais je ne sais pas. Pour ceux, il n'y a pas d'écureuils ici cette période de l'année. Bien que nous soyons revêtus d'une bonne couche de vêtements, je tremblais aussi fort que je pouvais. Je pensais, il n'y a pas d'écureuils. Il y a à peu près cette épaisseur de feuilles sur le sol et vous pouviez entendre arriver comme un troupeau d'antilopes. Et j'avançais donc. Et puis ça me frappa de nouveau, demande ce que tu veux. Et je m'arrêtai, je posai mon fusil, enlevai mon chapeau et je dis, Père Céleste, je suis venu ici dans ces montagnes. Que signifient ces choses? Est-ce toi qui me parles? Est-ce toi, Seigneur, où es-tu? D'habitude, je vois ta lumière, où es-tu? Parle-moi, Seigneur. S'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, je le ferai. Ai-je trouvé grâce à tes yeux? Et je dis, parle-moi. Et il dit, demande ce que tu veux. Et cela te sera donné. Et je dis, alors si c'est toi, j'aurai mes trois écureuils ce matin. Des écureuils gris, ils sont roux en Indiana. Et je dis, j'aurai mes trois écureuils. Quelque chose dit, de quel côté viendront-ils? Je pensais bien cela, je pouvais l'entendre aussi distinctement que vous m'entendez. Et je dis, l'un viendra de ce côté-ci, un autre de ce côté-là, et le dernier de là-bas. Je me suis appuyé contre un petit arbre et j'ai attendu quelques minutes. Je ne voyais pas d'écureuil, il se faisait tard, il était presque temps de partir. Je regardais encore vers la colline et tout là-haut, à environ 120 mètres, je vis quelque chose qui semblait être sur une souche. L'écureuil gris est très petit. Je regardais à travers la petite lunette et je ne pouvais pas dire si c'était un écureuil ou pas. Je continuais à l'observer, il sauta de la souche et commença à descendre du côté de l'arbre. C'était un tir de très longue distance. Mais je mis simplement à genoux à terre et appuyai mon fusil sur ma main et je tuai l'écureuil. Et je dis, ainsi donc, le prochain devra venir de ce côté-ci. Je me tournai donc simplement sur l'arbre et je dis, il viendra de ce côté-ci. J'attendis environ 15 minutes et voici venir un écureuil. J'introduis donc une autre cartouche dans mon fusil et je mis en joue. Et juste comme je commençais à mettre en joue, le deuxième écureuil arriva et je dis, oh gloire à Dieu, voilà le deuxième. Je me suis redressé, j'ai tiré le premier. Je l'ai tué net d'une balle dans l'œil. Et puis, cet autre écureuil a couru, a sauté sur une branche et est redescendu rapidement. Il a ramassé une noix et a commencé à la manger. C'était un tir parfait à 50 mètres. Et j'ai dit, voilà mon deuxième écureuil. Ça fait un, deux, trois, c'est juste ce que j'ai demandé. J'ai baissé mon fusil, j'ai tiré et j'ai touché une souche. Sur environ 149 écureuils cette année, j'ai seulement manqué 5 coups. J'ai pensé, comment est-ce que j'ai pu manquer cet écureuil? Ça ne l'a même pas effrayé. Il sauta, courut à l'autre bout de la branche, il regarda autour de lui. J'ai introduit une autre cartouche et j'ai pensé, je suis sûr de l'avoir cette fois-ci. Je l'ai mis en joue, j'ai visé en plein dans son œil. Et le coup est parti et je l'ai manqué à 60 cm en dessous. J'ai dit, oh là là, ce fusil est fichu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il a couru de flanc devant moi et ça fait longtemps que je n'ai pas tiré un écureuil des côtés. Je vais certainement l'avoir cette fois-ci. Peut-être que j'ai simplement froid et que je tremble. J'ai donc pris un petit arbuste, je l'ai appuyé le fusil contre l'arbuste et je l'ai mis en joue jusqu'à ce que je l'ai tout à fait de flanc, pas plus de 35 mètres. Et je visais juste en plein milieu, j'ai appuyé sur la gâchette et je ne sais pas où le coup est parti, mais j'ai manqué l'écureuil. Je n'avais plus de cartouches dans mon vieux petit fusil, l'écureuil s'en est allé par-dessus la colline et j'ai pensé, là j'ai manqué trois tirs à la file et de toute la saison, je n'en ai manqué que cinq, comment est-ce possible? Alors j'ai pensé, je ne pouvais pas atteindre cet écureuil. J'ai dit que l'autre devait venir de ce côté-là. Et deux étaient là. Mais sa parole est parfaite, voyez-vous?
Alors j'ai commencé à attendre jusqu'à la tombée de la nuit presque, et j'ai dit, si l'autre écureuil arrive, il va falloir que je le tire de très près, parce qu'il y a un fourré ici, et il faut qu'il arrive à travers ce fourré. C'est la seule manière, je pensais. Eh bien, ce n'était pas pareil cette fois-ci, cet onction. Peut-être qu'il s'est simplement trouvé que j'attrape ces deux-là. Je suis donc allé ramasser mes écureuils, j'ai commencé à m'en aller, il faisait très sombre. Et quelque chose m'a dit, mais qu'en est-il de cet autre écureuil? Et j'ai dit, eh bien, j'en ai déjà deux, il est trop tard maintenant, il est même difficile de voir à travers ma lunette. C'est trop tard pour en avoir un maintenant. J'ai commencé à descendre, quelque chose me dit, fais demi-tour et va attraper l'autre écureuil, tu l'as déjà dit. Je retournais donc, je n'avais pas fait 10 pas, écoutez bien maintenant, que je vis l'écureuil grimper rapidement un arbre à 60 ou 70 mètres de moi. Il faisait si sombre, il y avait eu un peu de lumière au sommet de la montagne, je ne l'aurais pas vu. Et je le mis en joue, je ne voyais pas l'écureuil, je continuais à regarder de haut en bas et je pensais, où est-il? Il y a quelques instants, il trembla, sembla qu'un nœud sortait de l'arbre, et j'ai tiré, et j'ai entendu quelque chose heurter les feuilles. J'ai pensé qu'il s'était sauvé. Et environ 15 mètres de là, un autre écureuil a grimpé. Et je me suis dit, cet autre écureuil, je l'ai manqué, il a couru, il est monté là. Je regardais donc attentivement, il faisait sombre, et le vent soufflait. Et je pensais, je vais tirer là-dessus de toute manière. J'ai tiré et j'ai entendu cet écureuil tomber sur le sol en faisant un bruit sourd, et là, je l'avais vraiment tué. J'ai dit, je l'ai manqué sur cet arbre-là, mais je l'ai eu par ici. C'est juste un petit peu en dehors de la ligne. Et j'ai dit, je vais le ramasser. J'ai donc grimpé la première colline, et lorsque je suis arrivé au premier arbre, mon écureuil était étendu là, le premier, exactement dans la direction que j'avais montré. Dieu dans le ciel sait que c'est la vérité, juste là où je l'avais montré. J'ai continué, j'ai dit, eh bien, ça m'en fait 4, il m'en a donné un pour faire un bon point. J'avais dit 3 et j'en ai eu 4, c'est bien. J'allais donc plus loin pour ramasser l'autre écureuil, et il n'était pas là. Et pourtant, je savais que j'avais tué cet écureuil. J'ai fouillé partout, en attendant, j'ai tâté avec mes mains dans les ténèbres, dans les feuilles, et j'ai ouvert une vieille souche et ainsi de suite, je pensais qu'il pouvait être que blessé. Finalement, j'ai trouvé un petit trou dans un chicot d'arbre et j'ai enfilé mon bâton là, j'ai commencé à fourrager et j'ai senti quelque chose qui tombait et j'ai dit, c'est l'écureuil. Mais le trou était trop petit pour que mes mains puissent y entrer, il me fallait une hache ou quelque chose. J'ai donc posé un gros caillou, un gros bout de bois et j'ai dit cela à mes frères et ils ont commencé à louer le Seigneur et à crier. Ce soir-là, je leur racontais un groupe de montagnards qui était venu et s'était rassemblé. Nous étions tous en train de louer le Seigneur et l'un de mes diacres qui s'appelle Tony, qui est dans mon église, Il était avec moi. Et ce soir-là, quand nous sommes partis pour nous coucher, il a prié devant ces gens-là en disant, « Maintenant, Seigneur, nous lui avions demandé de conduire la prière, Seigneur, pour confirmer que notre frère a dit la vérité, fais-lui trouver cet écureuil là demain dans le tronc pour que nous sachions qu'il a dit la vérité. » Il semblait tout simplement que mon cœur allait s'arrêter. Savoir que j'ai dit la vérité, quelque chose comme ça, et j'aurais menti à ce sujet, que Dieu me préserve d'être hypocrite à ce point-là. Je pensais, comment un homme qui m'aime, un homme de ce calibre, un homme dont la femme était en train de mourir, là, et les docteurs étaient repartis, j'étais allé, je l'avais offert une prière pour elle, et elle s'était levée. Comment pouvait-il mettre ma parole en doute? Comment a-t-il pu dire cela? Et les autres frères avaient saisi ça, et le matin suivant, avant le déjeuner, « Eh bien, frère Branham, nous allons monter chercher votre écureuil, nous en aurons aujourd'hui, de toute façon, parce qu'il sera là. » J'ai dit, « Frère Tony, tu n'as simplement pas compris. » Lorsque j'ai parlé sous inspiration, j'ai dit 3 écureuils. Ce quatrième n'avait rien à faire avec cela. « Oh, dit-il, il est dans ce tronc de toute manière. » Comme ça, nous le saurons. Je regardais par-dessus la table, je disais, frère Tony, est-ce que tu douterais que je dise la vérité? Et je n'ai rien dit, les frères se regardaient. Et nous sommes allés dans les bois. Et quand nous avons commencé à laisser les voitures pour partir dans différentes directions, j'ai pensé que je monterais chercher mon écureuil s'il était là. Et je pensais retourner le dire à frère Tony, mais quelque chose me poussait à aller de l'avant. Et c'était il y a environ une semaine avant que j'arrive ici. Et je continuais à monter. Et comme j'arrivais là-haut, quelque chose me dit, « Et si cet écureuil n'était pas là? » Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ton propre diacre dira que ce n'était pas vrai.
Maintenant, le Seigneur sait que ce que je dis est vrai parfaitement, exactement au mieux de ma connaissance dans mon cœur. Et j'ai continué à marcher, je pensais, eh bien, il y a une chose de sûre, c'est que j'espère bien qu'il est là. Ça, c'est sûr que je l'espère. Je n'avais rien dit au sujet de cet écureuil-là. Vous comprenez? Les trois écureuils, c'était de ceux-là que j'avais parlé. Le quatrième n'avait rien à faire là-dedans. Mais le Seigneur sait comment vous former et ce qu'il faut faire. Donc, pendant que je montais là, cette onction me frappa à nouveau et il me dit, s'il n'est pas là, dis qu'il y soit et tu trouveras l'écureuil. Et je dis, Seigneur, je te prends au mot maintenant. Et j'ai dit, et je trouverai l'écureuil. Et je montais sur la montagne, je pensais, je n'ai plus besoin d'avoir peur, parce que je vais le trouver, c'est tout, je l'ai dit, et le Seigneur a dit que lorsque cette onction était sur moi, et que je disais quelque chose, il en serait ainsi, donc j'y vais. J'ai fouillé partout, je regardais, il fallait environ 15 minutes pour redescendre de la montagne, je pensais, je ferais mieux d'aller prendre mon écureuil. J'ai monté là-haut, j'ai enlevé le bout de bois recouvrant le trou, et j'ai commencé à tâter là-dedans, je pouvais tâter, et comme je le soulevais, je sentis comme quelque chose qui retombait comme cela, comme si je retenais l'écureuil à l'extrême du bâton et qu'il retombait ensuite. J'avais un grand couteau de chasse, je me procurais une grosse pierre et j'agrandis suffisamment le trou pour y passer ma main. Et en regardant là-dedans, je vis que j'étais en train de soulever des racines qui se trouvaient là où je pensais, oh là là. Et je pensais, sans écureuil maintenant. Ce matin, c'était terrible, il y avait du blizzard et je pensais, c'est terrible. Et je pensais, eh bien, il y a une seule chose que je puisse faire pour le prouver. Seigneur, si ce n'était pas de ta faute, parce que toi, quand tu m'as dit de parler, et j'ai parlé pour ces trois-là, et les trois étaient là. Frère Tony a seulement mal compris, c'est tout. Et je dis, je vais redescendre et le prendre avec les autres frères et les faire venir ici et leur montrer où est le chicot d'arbre pour qu'ils sachent que je pensais avoir raison. J'ai dit la vérité quand j'ai dit que je savais que l'écureuil était là. Et je descendis la colline et quelque chose me dit, mais tu as dit en montant que tu trouverais l'écureuil. Amen. Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que cela me fait. Tu as dit que tu trouveras l'écureuil. J'ai pensé, où pourrais-je le trouver? Voilà les bois, il n'y a plus une feuille sur les arbres, elles sont toutes empilées là autour, voici l'arbre d'où l'écureuil est tombé. Il n'y a qu'une chose sous laquelle il aurait pu se cacher, cela aurait été sous cette souche, et j'en ai enlevé chaque morceau, il n'y a pas d'autre trou dans l'arbre, nulle part. Mais il a dit, tu as dit que tu le trouverais. Eh bien, j'ai tapé du pied dans les feuilles, et ainsi de suite, et j'ai pensé, oh, Billy, je crois que tu as pris la mauvaise voie. Et je commençais à redescendre. Et il a dit, mais tu as dit que tu le trouverais. Et je pensais, c'est juste. Je dis, quand l'onction était sur moi, je trouverai l'écureuil. Et si c'est une confirmation de mon ministère qui recommence, alors l'écureuil doit se trouver quelque part par ici. Et je dis, je ne peux pas le trouver. Où est-il? Quelque chose me dit, regarde sous ce morceau d'écorce. Et j'allais les ramasser, et je dis, oui, gloire au Seigneur, c'est sous cette écorce. Je m'avançais pour ramasser le morceau d'écorce, et quelque chose me dit, et s'il n'est pas là? Oh, dis, ce sera là-dessous. Et je l'ai ramassé, et il n'y avait pas d'écureuil. Et j'ai pensé, c'est bizarre. Maintenant, dis-je, c'était la même inspiration qui m'avait dit que les trois seraient là, la même inspiration était sur moi quand j'avais dit que ce serait là. Ainsi, je regardais encore et j'avais juste un peu quelques poils gris qui dépassaient en dessous des feuilles. J'ai soulevé cela et mon écureuil était là. Maintenant, parlez-moi d'un petit Irlandais en train de pousser des cris. Vous auriez dû m'entendre descendre cette colline. J'étais vraiment un homme heureux. Je rentrais et j'en ai parlé aux miens et oh là là, comment on se réjouissait tous. Frère Tony a dit, frère Branham, je ne savais pas que j'avais prié de cette manière-là. J'ai dit, mais tu l'as fait, frère Charlie et les autres en parlaient disant, il avait effectivement prié de cette manière-là. Puis le jour avant que je vienne ici, pour les réunions, nous sommes partis dimanche après-midi, samedi après-midi, je m'étais rendu dans la maison d'un homme qui a une fille infirme. Elle était liée par la polio depuis qu'elle est toute petite. Et elle a une trentaine d'années. Oh, c'est l'enfant la plus affligée que vous ayez jamais vue. J'ai prié plusieurs fois pour elle. Et j'ai vu des infirmes presque dans le même état être guéris, alors qu'ils étaient assis juste à côté d'elle, une famille vraiment bien. Si j'avais le temps de vous raconter l'histoire de son père quand les médecins les avaient abandonnés, quatre médecins étaient passés, avaient dit, il n'y a plus d'espoir. Je m'étais consacré à lui, j'avais prié, demandé au Seigneur de le prendre. Rentre à la maison, j'ai eu une vision, un prédicateur qui se moquait de lui parce qu'il croyait à la guérison. Dis à M. Wright que ainsi dit le Seigneur, il creusera la tombe de ce prédicateur.
pasteur qui se moque de lui. Et il l'a fait, et aujourd'hui, il est vivant et en bonne santé. Mais cette petite fille affligée, assise là, je n'ai jamais pu comprendre pourquoi il ne me donnait pas de vision pour cette fille-là. Monsieur Wood et moi, nous prenions le dîner là, et c'est lui qui fait le vin de la communion pour la table à l'église. Et je suis descendu pour le prendre, et cette petite fille me dit, Frère Branham, est-ce que vous voudriez apporter un lapin avant de repartir? Et j'ai dit, bien sûr, Edith, frère Wood et moi, nous irons te trouver un lapin. Et nous avons pris le fusil, nous sommes partis, et nous nous sommes absentés un moment, et nous avons attrapé deux lapins. Et nous sommes revenus, Madame Wright avait préparé le dîner. Maintenant, sa fille est veuve. Ils sont pauvres. Vous ne pouvez pas savoir combien ils sont pauvres. Vous, Parisiens en Californie, vous ne savez pas ce que c'est des pauvres gens, tant que vous ne passez pas par quelque chose comme ça. Elle vit dans une petite masure, deux pièces tout en haut de la colline. Son mari s'est tué il y a 2 ans sous son propre tracteur, un alcoolique. Il s'est renversé, lui a brisé le cou. Et le petit garçon l'a trouvé. Elle a 2 adolescents qui sont en train de prendre le mauvais chemin, n'ayant plus de père. Et cette pauvre petite femme, une petite chrétienne humble et tranquille, oh, je ne l'ai jamais entendu élever la voix de sa vie. Et elle bêchait sur ces collines là-haut, cultivant ce sol ingrat pour essayer de préparer un petit lopin de terre là pour nourrir ses enfants. Oh, c'était si déchirant. Et nous étions assis à table en train de parler, et ils m'aiment, ils ont une chambre là-haut que j'appelle ma chambre lorsque j'y vais. J'étais auparavant pasteur de l'église baptiste de Milltown, ainsi j'avais une chambre où je pouvais rester chez les Wright. Et je dis, en parlant des visions, je dis, vous savez, je leur dis ce qui était arrivé, et je dis, comme il doit y avoir quelque chose, la seule chose que je sais, si jamais cela arrive ainsi, ce sera une foi que Dieu devra me donner. Parce que lorsque cette onction vient sur moi, il me semble comme si une super foi se levait en moi. Dis-je, quelque chose qui ne me laisse pas subsister l'ombre d'un doute, et je dis, oh, combien je crois, dis-je, exactement comme avec les visions que j'ai eues. Lorsque le Seigneur me dit dans une vision, va faire une certaine chose, eh bien, oh là là, il n'y a pas de doute en ma pensée, je vais simplement le faire. Ça ne faillit jamais, ça doit arriver. Voyez, vous devez croire ce que vous faites. Vous devez avoir foi et confiance. Et j'ai cela dans les visions. Quand la vision, écoutez, ceci peut paraître insensé, mais si le Seigneur Dieu qui est ici maintenant sur cette estrade, peut dire le secret de chaque cœur ici, vous dire ce qui sera, ce qui ne sera pas. Vous le savez, vous le voyez soir après soir. S'il me disait que George Washington allait se lever demain matin de sa tombe du cimetière national, j'inviterais le monde entier à venir voir cela s'accomplir. C'est tout à fait vrai. Je crois en lui. Il ne m'a jamais failli. J'ai vu des visions depuis l'âge de 18 mois. Et pas une seule fois, elles n'ont failli. Et ça n'arrivera jamais. Parce que c'est Dieu. Et donc, je parlais ainsi, et puis j'ai dit, maintenant, si le Seigneur me disait qu'une certaine chose va arriver, telle que la guérison de votre petite sœur, Edith, ce sont des pauvres gens, mais j'étais les bienvenus. On m'offrait un grand bol de haricots, du haricot pinto, accompagné de pain de maïs, d'oignons coupés à rondelles. Et j'aime tellement ça, j'ai été élevé avec cela. Et j'ai passé un bon moment. Et maman Wright m'avait préparé une tarte aux cerises, vous savez, avec les cerises du petit arbre, celui où j'allais moi-même en cueillir pour l'aider. Monsieur Wright est octogénaire et est là dans les 70 avec cette fille affligée. C'est pourquoi je faisais tout ce que je pouvais pour ces gens, de pauvres gens. Et nous parlions de la construction de la nouvelle église là-bas, le tabernacle. Quand Monsieur Wright me dit, comment progresse le financement du tabernacle? Et je redis, frère Wright, je ne suis pas assez souvent là pour le savoir. Et j'ai dit, Hattie a voulu donner une participation de $50 pour cette église. Et frère Robertson, l'administrateur de l'église, l'un d'eux, le président, ne voulut pas qu'elle les donne, disant que ça lui prenait 6 mois pour retirer $50 de ces collines là-bas. Et il ajouta, mais il en a donné 20, et frère Branham. Et je pensais, tu sais quoi, j'ai $20 ici dans ma poche, mes dames les a donnés pour acheter des œufs, et j'ai dit, je vais simplement lui donner ces $20 avant qu'elles en aillent. Elle est loin d'ici, elle ne saura jamais. Ainsi, je lui achetais des glacières et des choses comme cela, parce que je me sentais si peiné pour elle, cette pauvre petite mère essayant de travailler durement là. Ainsi, je pensais, je vais simplement lui donner ces $20, c'est ce que je vais faire. Quand je partirai, je vais les glisser quelque part pour qu'elle les reçoive. Ce sont les $20 qu'elle a donné pour l'église là-bas. Je pensais, je vais lui donner ça. Mais quelque chose m'a dit, mais ton Seigneur se tenait un jour contre un mur, et il vit un homme riche mettre des milliers de dollars dans un tronc. Et une petite veuve s'approcha, elle avait seulement 3 sous,
tout son nécessaire vital. Et qu'aurais-tu donc fait si tu t'étais trouvé là? Tu aurais vu cette petite veuve mettre ses trois sous et tu aurais couru, « Oh non, sœur, ne faites pas ça, ne faites pas ça, parce que nous en avons tout plein là-dedans, nous n'avons pas besoin de ça. » Mais Jésus ne lui a jamais dit de ne pas le faire. Il a laissé faire cela, parce qu'il savait qu'il avait quelque chose pour elle plus tard. Vous voyez, une petite chose meilleure. Ainsi, il la laisse faire. Dieu aime celui qui donne de bon cœur. Aussi, je dis, eh bien, je vais alors laisser mon argent dans ma poche, voyez. C'est en ordre, je vais le laisser faire, Seigneur. Nous étions là et j'ai dit, maintenant ces visions, viens écouter attentivement maintenant. Nous en arrivons à quelque chose d'autre. Souvenez-vous, maintenant, ceci s'est passé il y a moins de 2 semaines. Juste environ 2 semaines. Et j'ai dit, la chose qui m'intrigue, frère Wood, il était assis comme ici à côté de moi, toujours à table. Nous nous trouvions sous un vieux porche là-bas. Ils avaient fermé les murs pour essayer d'en faire une pièce supplémentaire. Les murs étaient recouverts de bardeaux et la maison était percée de trous. Et j'ai dit, ce qui m'a toujours tracassé quant à ces écureuils, c'est ceci, dis-je. Et j'ai dit, frère Wood, nous sommes censés être de bons chasseurs d'écureuils. J'en chasse depuis que je suis un petit garçon. Et vous êtes un excellent chasseur, dis-je. Et nous avons chassé l'écureuil depuis notre enfance. Dans ces conditions, frère Wood, d'où venaient ces écureuils? Je lui dis, je ne peux pas l'imaginer. J'étais là et je regardais le paysage. Et j'ai dit, il y aura un écureuil juste là. Ça faisait 45 minutes que j'étais assis là. Et à peine avais-je baissé le doigt que l'écureuil était là. Et chaque fois, cela se passait de cette manière-là. L'écureuil venait de nulle part. Et j'ajoutais, je pense que la seule explication de celle-ci, ce serait ceci. Lorsque Dieu essaya de parler à Abraham, comment il allait le bénir, j'ai dit, si ceci est mon nouveau ministère qui arrive, quelque chose de plus grand qu'il confirmera finalement dans ce petit bâtiment. J'ai dit, si c'est ça, comme Abraham, la chose dont Abraham avait besoin, c'était un sacrifice à la place de son fils dans Genèse 22. Et alors, lorsque Dieu retint sa main qui allait sacrifier son fils, un bélier se trouvait là. D'où vint ce bélier? Il était à 160 km de toute civilisation, un voyage de 3 jours. Un homme peut marcher 40 km par jour. Je fais souvent 50 ou 55 km à pied. Et aujourd'hui, nous voyageons en voiture, et ainsi de suite. En ces jours-là, la seule manière de voyager, c'était à dos d'âne ou à pied. Et il avait marché pendant 3 jours à ce moment-là. Il leva les yeux et il vit la montagne au loin. Et en plus, il était au sommet de cette montagne, où il n'y a pas d'eau. Et que faisait ce bélier là-haut? Il aurait dû être tué par des bêtes sauvages, puisqu'il était loin de toute civilisation. D'où venait ce bélier? C'est pour cette raison qu'Abraham appelle à l'endroit Jéhovah Jireh. Le Seigneur pourvoira un sacrifice pour lui-même. Il est capable de l'appeler à l'existence. J'ai continué, si le Seigneur confirmait là mon ministère pour me faire savoir qu'il allait venir en aide à son peuple en me permettant de faire cela, alors le même Jéhovah Jireh, j'avais besoin d'un écureuil, de même qu'Abraham avait besoin d'un bélier. Et je crois que Jéhovah Jireh le mit là par sa même parole parlée. De toute façon, ce n'était pas moi, parce que je ne savais pas ce que je disais, il l'a dit lui-même. Et cette pauvre, humble petite sœur Hattie était assise là. Elle portait un petit bonnet pour se protéger de la poussière, comme apportent les femmes de la campagne là-bas. Elle avait une petite robe propre pour venir aider sa mère à me préparer un repas. Elle se tenait là avec sa main comme ceci, elle a dit, « Ce n'est rien d'autre que la vérité. » Elle avait dit la chose juste. Voici ma Bible. Et je dis ceci en tant que serviteur de Dieu. J'ai à peine pu entendre ces derniers mots. Sa mère essayait de dire quelque chose, mais je ne compris pas. Comme elle a dit ça, elle a dit la chose juste. L'Esprit du Seigneur me dit alors, dis-lui de demander ce qu'elle veut, et tu lui donneras. Je ne pouvais plus parler. Dans cette pièce, chacun ressentait quelque chose d'inhabituel. J'ai dit, Sœur Hattie. Elle dit, oui, frère Branham. Ainsi dit le Seigneur. Dites quelque chose que vous désirez. Peu m'importe ce que c'est.
Si vous voulez savoir que Dieu m'a donné ce ministère, dites n'importe quelle chose que vous désirez. Ainsi dit le Seigneur, si vous le dites, je le dirai après vous et vous l'aurez immédiatement. Huit personnes étaient là et regardaient. Elle dit, « Frère Branham, que vais-je dire? C'est à vous de décider. » Il y avait là sa sœur paralysée et son père âgé. Elle était pauvre. Elle pouvait demander de l'argent. Elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait. Je lui ai dit, « Demandez n'importe quelle chose que vous avez dans le cœur, tout ce que vous voulez. Demandez-le. » Et ainsi dit le Seigneur, « Je le dirai après vous et vous l'aurez. » Elle a dit, « Le salut de mes deux garçons. » Vous l'avez au nom du Seigneur. Et ces deux jeunes adolescents à l'esprit moderne qui haïssaient la cause même de Christ s'attrapèrent l'un l'autre et se mirent à crier les bénédictions de Dieu. La puissance de Dieu frappa cet endroit. Banks tomba sur son assiette. Pendant 10 minutes, je ne sais ce qui est arrivé. Mes amis, est-ce que vous réalisez ce que c'était? Jamais je n'ai ressenti une telle onction de toute ma vie. C'est la première fois que cela a été accompli sur un être humain. C'est passé à côté des aristocrates, c'est passé à côté de tout le reste, et c'est arrivé à une pauvre petite veuve vivant là-haut sur les collines. Et Dieu savait ce qu'elle allait demander. Ces deux garçons furent sauvés glorieusement à la minute même où ça a été parlé. Si elle avait demandé 10 000 dollars, il lui aurait été donné. Si elle avait demandé la guérison de sa sœur, ça lui aurait été donné. Quoi que ce soit qu'elle aurait demandé, ça lui aurait été donné. Je crois que l'Église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis l'époque de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, « Demande ce que tu veux, et cela te sera accordé. » Quoi que vous désirez, ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que ça arrive dans cette réunion. Je veux que cela arrive maintenant. Que cette onction frappe l'Église entière du Dieu vivant et qu'elle se lève comme une puissante armée en marche. Les malades seront guéris par une parole. Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts seront ressuscités. Et la puissance de Dieu secourra le monde par l'Église de Dieu vivant. Nous en sommes dans le processus maintenant. Je crois que ça va arriver très bientôt. Je crois que ce sera exactement de cette manière. Je crois que ça va bientôt frapper l'Église de Dieu. Ça va commencer un réveil qui secourra le monde. Je le crois. Le Seigneur Dieu du ciel qui a fait les cieux et la terre, dont je suis le serviteur, je me tiens ici maintenant devant vous. Et au nom de Jésus-Christ, ces paroles sont vraies. Oh, nous sommes près de quelque chose. Mon cœur est dans l'expectative. Je ne peux même pas me reposer dans ma chambre d'hôtel. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. Ça ne m'a pas quitté. Je ne pouvais pas dormir sur la route. Je n'ai pu dormir que 2 ou 3 heures par nuit. Je ne peux simplement pas me reposer parce que je sais que quelque chose est sur le point d'arriver. Notre Dieu va entrer sur la scène, aussi sûr que nous sommes ici. Aussi sûr que ce qu'il avait dit autrefois concernant le discernement dans la main et concernant le secret des cœurs, il a promis autre chose, et le voici déjà confirmé parmi les gens. Les gens étaient là dimanche dernier au matin, dans notre église de Jeffersonville, au dimanche, il y a une semaine maintenant, lorsque j'ai dit, là, la famille Wright était au complet donnant le témoignage, la bénédiction n'a pas quitté cette maison. Ça ne semblait pas être le même endroit. Cette petite femme qui n'avait jamais crié de sa vie, je suppose, depuis qu'elle était bébé, vous auriez pu l'entendre crier les louanges de Dieu 3 rues plus loin, et la puissance de Dieu. Nous étions tellement saisis que je ne pouvais rien dire, j'ai dû sortir du bâtiment. J'étais loin de la puissance de Dieu. Il est Dieu. Il vit. Je sens qu'une certaine grande chose est nécessaire. Le Saint-Esprit me parle maintenant à ce propos. Je crois que nous devrions prendre un soir ce soir pour le consacrer, ne le pensez-vous pas?
Êtes-vous prêt, Église de Dieu? Êtes-vous prêt pour une telle action? Avez-vous enseveli chaque péché dans le sang de Jésus-Christ? Avez-vous confessé toutes vos fautes? Ô ministre de l'Évangile, mes précieux frères, je vous dis la vérité, je le jure, Dieu sait que c'est la vérité. Et nous sommes juste en train de sentir quelque chose qui est très proche maintenant, je ne sais pas où ou comment. Mais je vous ai dit exactement la vérité de Dieu et Dieu sait que c'est la vérité. Le Saint-Esprit est ici maintenant. La guérison, que nos âmes soient guéries ce soir. Apprêtons-nous pour être en forme dans cet état. J'ai dit à Billy de ne pas distribuer des cartes de prière ce soir. Je ne voulais pas de ligne de prière, je désire une consécration. Je désire que cette église s'approche de Dieu. Je désire qu'elle soit si près de Dieu que quand nous serons dans cette réunion ici, que cela éclatera au milieu de cette église. Je vous le dis, lorsque ça arrivera, la venue du Seigneur sera imminente. L'ennemi avec leurs bombes atomiques arrive comme un fleuve. L'Esprit de Dieu élève constamment un étendard contre lui. Et souvenez-vous, ainsi que je vous l'ai dit, depuis le discernement, lorsque je prenais la main des gens jusqu'au secret des cœurs, comment ces choses se sont chaque fois accomplies. De même, ceci est arrivé exactement de la façon dont cela avait été prédit. Et c'est exactement conforme aux Écritures, comme cela vous a été prouvé concernant la connaissance du secret des cœurs. Il a été démontré comment Jésus pouvait regarder les multitudes et discerner, désigner les personnes qui avaient touché son vêtement. Comment cette pluie, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première et l'arrière-saison viendraient ensemble, comme nous l'avons vu hier. Exactement. Ne craignez pas, Église de Dieu. Je sais que vous avez beaucoup de scrupules parmi vous, beaucoup de hauts et de bas, et bien d'autres choses. Mais vous êtes quand même l'Église du Dieu vivant, et vous l'êtes par la grâce de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait ou comment vous l'avez fait, Dieu vous pardonne vos péchés. Il veut une consécration. Comme Balaam a pu dire à Israël, ils ont fait toutes les choses les plus viles qui pouvaient se faire, mais il manqua de voir qu'ils étaient l'Église du Dieu vivant. Là se trouvait le rocher frappé et ce serpent d'airain devant eux. Une expiation était là pour eux et quiconque a été baptisé du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Alléluia! L'Esprit du Seigneur est ici maintenant. Je dis cela au nom du Seigneur. Si quelqu'un n'y croit pas, parlez de votre maladie à Dieu maintenant même. Et voyez par vous-même. Voyez si ce n'est pas la vérité. J'ai remarqué que quelqu'un était étonné. Laissez-moi rectifier ceci. Une personne a parlé avec peu de mots. Une autre a interprété avec beaucoup de mots. La femme passa de l'interprétation à la prophétie. C'est exactement cela. Comprenez-le bien. C'est parfaitement vrai. Elle a dit la vérité. Amen. Le Saint-Esprit est ici. La puissance du Dieu vivant. Malade. Il n'y a pas besoin d'être malade. Croyez-vous? Y a-t-il quelqu'un de paralysé, affligé? Qu'en a-t-il de vous là-bas dans le fauteuil roulant? Croyez-vous? Vous croyez?
Il y a un homme assis là derrière qui regarde vers lui, il porte une cravate rouge. L'ange du Seigneur se tient au-dessus de cet homme, je ne le connais pas. Il a une cataracte aux yeux, c'est vrai. Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes de Salt Lake City. C'est votre dernier soir ici. Voulez-vous retourner guéri? Levez-vous et acceptez votre guérison. Croyez-le, amen. Si vous pouvez croire, ayez foi en Dieu. Vous assis dans ce fauteuil roulant, vous êtes en train de mourir. La mort vous a couvert de son ombre par le cancer. Vous ne pouvez plus continuer à vivre comme ça. Vous croyez au Seigneur, Dieu. Croyez-vous qu'il est au milieu de vous. Levez-vous, repoussez votre fauteuil et rentrez chez vous. Qu'en est-il de vous ici? Monsieur Hammond, qu'en est-il de vous? Croyez-vous que le Seigneur peut vous guérir? Vous êtes là en train de prier. Croyez-vous qu'il va vous guérir? Si cela, croyez et rentrez chez vous. Le Seigneur Dieu est au milieu de son peuple. Le croyez-vous? Levons-nous tous debout. Voici l'heure de la consécration divine. Si vous pouvez croire, le Seigneur Dieu exige une consécration. Il ne peut pas répandre cela sur nous tant que nous ne sommes pas totalement soumis à sa volonté, à sa puissance. Il ne peut répandre cela tant que nos cœurs ne sont pas entièrement purifiés du péché et des choses du monde, à tel point que le Saint-Esprit puisse nous diriger et nous entourer, comme il le fait maintenant et moi-même. Comment est-ce que je connais ces choses? Ce n'est pas moi. C'est lui qui parle. Je vous ai dit la vérité à son sujet. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'annoncer. Et cela arrive. Observez, voyez. Et cela s'annonce aussi sûr que je me tiens à cette estrade. Soyez prêts pour cela, pour recevoir le Seigneur Dieu dans de grandes bénédictions. Vous, Église du Dieu vivant, chacun de vous, utilisez cette soirée, une consécration à Dieu. Où vous allez prendre, vous les gens malades, oubliez votre maladie, pendant que le Dieu du ciel se tient ici. Où est-il? Tout autour de vous, à travers vous, en vous. Le Dieu du ciel, certainement. Levez les mains, élevez vos voix. Consacrez-vous au Seigneur. Seigneur Dieu, je me consacre moi-même. Aide-moi dans ce nouveau ministère, Seigneur. Que ta puissance, ta force, ta miséricorde moignent par le Saint-Esprit. Alors que tu consacres cette Église et ces choses que j'ai dites au sujet de ces animaux que tu as appelés à l'existence, Seigneur Dieu, prends ton Église dans ta puissance, sous ta garde, et remplis-la du Saint-Esprit. Ô Dieu, pardonne les péchés de l'Église. Pardonne nos désaccords, Seigneur, et déverse fraîchement et une nouvelle fois d'en haut le baptême du Saint-Esprit sur ton peuple. Accorde-le, Seigneur. Levez les mains en l'air, louez-le. Chantez de glorieuses louanges. Consacrez-vous à lui. L'homme s'est levé de son fauteuil roulant et il loue Dieu, les mains en l'air. L'homme qui était assis dans le fauteuil roulant s'est levé et il donne la gloire à Dieu. Alléluia. Donnez-lui la gloire, vous tous. Laissez le Saint-Esprit prendre la direction de la réunion et la conduire de la consécration. Que chacun de vous, au fond de son cœur, extrayez toute racine d'amertume, le péché, toute l'incrédulité, tout le scepticisme que vous avez dans le cœur. Jetez ça dehors. Préparez-vous. Le Saint-Esprit va faire de grandes choses au milieu de vous. Seigneur Dieu, écoute la prière de tes enfants qui se consacrent à toi. Nous venons avec foi, nous te croyons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous repentons de nos péchés. Seigneur, pardonne-moi de toutes mes fautes. Pardonne, Seigneur, il y a mes frères dans le ministère, pardonne les fautes de l'Église, nos fautes. Sanctifie nos cœurs profondément avec amour et avec puissance et consécration. Que nous trouvions grâce à tes yeux, Seigneur, déverse ta puissance. Nous ne ferions pas quelque chose de mal. Je crois que chaque homme ici aurait fait la même chose ce soir lorsqu'il fut donné de prononcer du mal sur ce garçon. Nous n'utiliserions pas ta puissance pour de mauvaises choses. Nous voulons l'utiliser, Seigneur, pour ta gloire et guérir tes enfants malades. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Envoie-la sur nous, Seigneur, pas pour notre volonté, mais pour la gloire de Dieu. Les païens sont déchaînés, ils imaginent des choses vaines, mais que le Saint-Esprit secoue de nouveau cet endroit où nous sommes rassemblés pour raconter ce que tu fais, la puissance du Seigneur. Accorde-le, Seigneur, que le vent impétueux et puissant balaye complètement chaque cœur, brûle tout péché, toute iniquité, tout doute, toute crainte, et que chaque personne devienne un saint consacré devant toi. Entends-nous, Seigneur. Puissions-nous partir d'ici plein d'hardiesse. Puissions-nous aller
avec dans nos cœurs une paix profonde et bien établie, avec une vraie foi qui secourra les montagnes. Alors que nous le demandons, accorde le Seigneur. Bénis mes frères dans le ministère, bénis tous ceux qui sont présents, bénis les malades. Tu as guéri les malades ici. Voici des affligés dans des fauteuils roulants qui se lèvent. Ceux qui ont des béquilles les jettent à terre. Les malades et les affligés brandissent les mains en l'air en te louant. Nous t'aimons, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que toutes ces choses qu'on t'a demandées, tu as dit quand vous priez, croyez que vous obtenez ce que vous demandez. Et cela vous sera donné. C'est ta parole, Seigneur. Nous la croyons. Et ce sont nos prières. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour tes promesses. Car elles sont toutes véritables. Elles sont oui et amen pour chacun. Entends-nous, Seigneur. Parle à travers nous et utilise-nous pour ta gloire. Nous nous consacrons à toi. Nous nous dédions. Je me consacre à nouveau ici à cette chair ce soir, Seigneur. Seigneur Dieu, éprouve-moi s'il y a quelque mal en moi. Ôte le Seigneur, s'il y a quelque chose pour lequel tu puisses m'utiliser pour aider davantage ton Église, ton peuple, en vue d'un meilleur ministère, d'une meilleure compréhension de Dieu. Me voici, Seigneur, parle, et ton serviteur écoutera. Je répondrai, Seigneur, parle simplement, et je ferai tout ce que tu me diras de faire. Seigneur Dieu, puis-je trouver grâce à tes yeux? Non pas pour ma propre gloire, tu as éprouvé cela par le feu, Seigneur, mais pour venir en aide à ton Église à cause de ton peuple qui est dispersé maintenant à travers le monde. Qu'il se rassemble comme une seule Église, comme une unité, comme une seule personne. Que nous puissions nous tenir dans la puissance de la résurrection. Puisses-tu déverser ton esprit et tes dons sur l'Église. Ce sera quelque chose d'extraordinaire pour le monde, Seigneur, qui fera connaître à tous les hommes ce qu'ils ont manqué. Accorde le Seigneur. Nous t'apportons ces prières pour que tu répondes, croyant que tu le feras, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. I love you. I love him because he first loved me. Do you love him? Raise up your hands like this. Just raise your hands. L'aimez-vous? Levez les mains comme ceci de tout votre cœur. Give him praise. Donnez-lui la gloire. L'aimez-vous vraiment? Parce que quoi? Il m'aima le premier. L'aimez-vous vraiment? Levez les mains. Il a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas grand? Sentez-vous que le Saint-Esprit, le sang de Christ, a lavé votre cœur, libéré du péché que vous sentez maintenant? Combien ont de nouveau consacré leur vie à Dieu? Levez la main. Je me consacre à toi, ô Seigneur. Tu es mon Dieu, mon Sauveur et Jésus-Christ. Et maintenant, je me donne pleinement et complètement à toi pour ton service. Qu'il en soit ainsi dans votre cœur. Je crois que Dieu va faire une grande chose parmi nous. Cela a déjà commencé. Et si ça commence comme ceci, quand sera-t-il après quelque temps? Béni soit le nom du Seigneur. Très bien, chantons maintenant ce vieux cantique de l'Église. Avant de partir, ma foi regarde à toi. C'est là où nous tenons. C'est la seule chose qui déplacera une montagne. C'est lorsque Dieu vous oint d'une telle foi que cela ne peut pas faillir. Ma foi regarde à toi. Chantons-le maintenant avec nos yeux, nos mains et nos cœurs tournés vers Dieu, tous ensemble. Agneau du calvaire.
Sauveur divin. Now hear me while I pray. Écoute-moi alors que je prie. Enlève tous mes péchés. Ne me laisse pas dès ce jour. Ne me laisse pas égarer, mais que je sois complètement à toi. Courbons la tête. Quand je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, et que la peine se répand autour de moi. Toi, sois mon guide. Ordonne aux ténèbres de se changer en jour. Essuie les larmes de douleur. Elle est levée, les yeux fermés, et quelqu'un lui parle ce matin. Sa présence est déjà dans le bâtiment. Quoi que tu aies besoin, tu peux le recevoir ce matin. Ta foi peut le ramener. Alléluia. Sa présence est ici. Quoi que vous demandiez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu as besoin du travail, parle au travail ce matin. Le travail sera créé. Si tu es malade, parle à la maladie ce matin. La maladie s'en ira. Quoi que tu aies besoin ce matin, le Saint-Esprit est ici. Le troisième coup, il est ici. Alléluia. Sois comme Andy White. Andy White a dit la chose juste. C'est le rien compte de la vérité. Alléluia. Ne soyons pas comme Isabelle, ce diable qui avait douté de la parole, ce diable qui avait douté de la promesse. Ne soyons pas comme Zacharie, lorsque l'ange lui avait parlé, l'ange lui avait dit qu'il aurait un enfant, et Zacharie a douté de la promesse. Mais Marie, une petite femme, elle a dit qu'il me soit fait selon la parole. Et a dit White, une femme, une église prédestinée. Elle a déclaré, ce n'est rien d'autre que la vérité. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour te faire entrer dans cette nouvelle année avec la victoire. Quoi que tu aies besoin ce matin, parle au rocher. Moïse a parlé au rocher. Élie a parlé au rocher. Il y a de l'eau dans le rocher ce matin. Il y a la bénédiction dans le rocher ce matin. Il y a du miel dans le creux du rocher ce matin. Oh, alléluia, je vais comme Jacob. Seigneur, je ne te laisserai pas. Seigneur, je ne partirai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Demande ce que tu veux. Si vous te verrez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Toi que tu as besoin, si tu as besoin de la guérison, si tu as besoin du Saint-Esprit, si tu as besoin d'être scellé, quoi que tu aies besoin ce matin, approche-toi à l'ange. L'ange est ici, l'ange du sauveur, pour accomplir selon le désir de ton cœur. Si Dieu veut qu'ils soient sauvés, le troisième poule peut les ramener.
Amen.